Podcast. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode 1408 de du Roi Steven, évidemment. Avec moi autour de la table ce soir, il y a dans l'ordre Emeric. Bonjour, bonsoir. Grand Poil. Bonsoir. Julien. Bonsoir. Urde. Coucou. Et Émilie. Dans quel ordre exactement? Dans l'ordre où ça apparaît à mon écran. Dans l'ordre où vos images apparaissent à mon écran. Eh ben bonjour alors. Je vous aide à faire par d'alphabétique, parce que ça a commencé par Emeric. Non, et c'est vrai, du coup. Mais non. Oui, salut. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien, il fait chaud ici. Ici on attend la pluie. Nickel. Nous, on l'a eu, on est au frais. Il fait que 26 degrés. Eh bien, moi j'attends parce que c'était 34 aujourd'hui, donc autant vous dire que je ne suis pas sortie, sinon j'allais mourir. Mais ça ira. Mais j'espère que le frais arrivera bientôt. Ah, ça devrait arriver, allez. Et je suis plus dans le sud, hein, je précise, je suis dans le nord, donc c'est différent. Ouais, mais t'es au milieu des terres, t'as pas l'air marin. Et non, j'ai juste l'humidité horrible. Voilà. Bien, je vous propose d'attaquer cet épisode qui devrait être un peu plus court que le précédent normalement. Après, vous nous connaissez, tout est possible. Tout est possible. On ne va pas se mentir qu'on aime bien divaguer un peu. Va-t-il durer plus longtemps que le temps que l'écrivain a passé dans la chambre? Ça dépend si on parle du film ou du livre. Oui, bah, le livre, deux, c'est facile. Dans le film, il passe plus de temps, moins de temps? Oui, plus, beaucoup plus. Par contre, comme la dernière fois, j'ai oublié de laisser la parole à Emeric pour la première phrase. Je te propose que tu la dises avant que je commence le résumé. Comme ça, ça fera moins bizarre qu'au milieu de nulle part. Ça. Nickel. Tu nous dis de quoi qu'on va parler? Oui, nous allons parler de 2046, un film hongkongais réalisé par Wong Kar-wai, tourné à Shanghai et qui est sorti le 29 septembre 2004 à Hong Kong, le 20 octobre 2004 en France et le 15 décembre 2004 en Belgique. Il s'agit un peu d'une suite de In the Mood for Love. J'ai vu ce excellent film. Excellent film. C'est quoi un film d'horreur? Wong Kar-wai. Non, pas du tout. J'ai pas préparé la bonne. Le synopsis, c'est en 1966, Monsieur Cho, un écrivain en mal d'inspiration, tente de finir un livre d'anticipation dont l'action se déroule en 2046. Ce chiffre étant aussi le numéro de la chambre d'hôtel à Hong Kong, où il a vécu un amour clandestin avec Su Lizhen, raconté dans le film In the Mood for Love. Il y a quelque chose. Mmh. Bien. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? J'en ai un. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment un très bon film. C'est très romantique. C'est très mignon. Très bien. Romantique? Mignon? Mais je me suis trompé. Effectivement, ouais, j'ai vu. Ouais, je vais en parler. De 1408, une nouvelle écrite par Stephen King, dont le titre en VO est aussi 1408. 1408. Comme ils aiment bien dire, et le répéter surtout, paru aux États-Unis en premier en livre audio en 1999, dans l'anthologie Blood and Smoke, puis dans Everything's Eventual en 2002, recueil que l'on connaît en France sous le titre de Tout est fatal, paru en 2003. Il fait environ une heure et demie en livre audio, c'est lu par Stivou, qui aime bien répéter 1408 plein de fois. C'est pas le meilleur des narrateurs, mais surtout quand on sort de la performance de la Tour Sombre. Mais on sent que quand même, il a l'habitude de lire à haute voix des choses, de raconter des histoires. King en interview, j'aime bien. C'est vrai qu'en narrateur, c'est pas ouf. J'aime bien l'écouter, que vraiment parler de manière comme ça, mais lire, ouais, j'ai écouté aussi pour voir et c'est pas ouf. En plus, c'est d'époque, hein. Que c'est, je pense que c'est toujours la même version pour Blood and Smoke, ils l'ont pas réenregistré. Je pense pas. Et puis surtout, ils ont fait un truc génial, c'est que toutes les nouvelles dans le. Alors moi, j'ai le livre audio Everything's Eventual, donc avec les 14 histoires. Et
Et toutes les nouvelles sont introduites par une musique. Et donc là, pendant 5 minutes, on a un petit air de jazz au saxophone qui joue. Ça nous met bien dans l'ambiance new-yorkaise, pluvieuse. Ouais, il en parle à un moment Mais donné. Mais par contre, c'est un peu difficile d'écouter ce qu'il dit, puisque un peu comme dans celui où ils ont des hallucinations, insomnie, la musique passe par-dessus la voix du narrateur, c'est un peu chiant. Ah, ah oui, je me souviens ce que tu nous avais fait écouter. Ah, ouais. Oui. Exact, exact. C'était spécial. Non, mais là, ça va, c'est du saxophone langoureux, ça va, ça passe. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je vais commencer par... Bah, attends, je te propose de lire la première phrase du livre maintenant ou juste avant le résumé? Non, au début du résumé. Ah, ok, pardon, j'ai rien dit. On la lira de coups de fouet, Hurd. Il semblerait qu'on m'entende un peu moins que les autres. M'as-tu baissé, Pomme? C'est dans le chat. Toi particulièrement? Oui. Oui. Bah, je vais voir pour te relever. Allez, fais un petit clic droit. On va voir en live. Elle la mute. Mesdames et messieurs. Faut juste pas être pressé, hein, puisque. Est-ce que c'est mieux? Essaye. Alors, est-ce que c'est mieux? M'entends-t-on mieux par là-bas? Alors, moi, je t'entends. Nous aurons la réponse dans 30 secondes. Mais c'est ça. Continuons. On va pas commencer. Bah si, on va commencer par Hurd. Allez. Hurd. Bah oui, vu que je parle trop. alors de toute façon, moi je l'ai déjà dit un million de fois. Le format nouvelle, c'est celui que je préfère. C'est simple, efficace, nickel. Au début, je trouvais que ça tirait aux longueurs et à la fin, au contraire, ça va trop vite. Mais je trouve au final, c'est ce qui fait la force du truc. Donc voilà, très contente. Moi, une nouvelle, je suis toujours contente. Très bien. Grand poil. Maintenant qu'on t'entend bien, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle? Moi, j'aime beaucoup cette petite nouvelle. J'aime surtout vraiment son début, cette espèce de joute verbale entre le directeur de l'hôtel et puis l'auteur, qui est vraiment une très bonne mise en place, et puis que derrière, ça enchaîne très vite sans vraiment nous donner trop de détails. Je trouve ça cool. Pas d'explication non plus, juste pareil. Enfin, c'est King, il est très fort dans les nouvelles comme ça, où il a juste, il a un setup, il a une fin, peut-être qu'il y a pensé ou pas, et puis il déroule entre les deux. Donc non, très très agréable à lire. Julien, est-ce que pour toi c'était aussi agréable à lire? Oui, parce que c'était court. J'ai bien aimé la première moitié. Je me suis demandé si King avait un kink des directeurs d'hôtel pour écrire autant de d'histoires où ça commence par un dialogue avec des mecs qui tiennent des hôtels hantés. Un écrivain raté et un d'hôtel. La deuxième partie, j'aimais bien où ça partait et j'ai été déçu de la fin. Voilà. Émilie, est-ce que toi, tu avais été déçu par cette fin? As-tu relu le... et j'ai pas relu. Voilà. Ah là là. Là. Mais j'ai vu le film et j'ai vu toutes les fins alternatives, donc je pourrais parler du film et je me souviens plus de toute cette lecture. Bravo. Et Pomme, enfin, qu'est-ce que tu as pensé de cette courte histoire? Tu dois faire, je sais pas, elle fait 20 pages, non? Moi, je l'ai en version, c'est quoi, Wiz? Whisky de la Wish. Wish. Exactement. Du coup, le livre est un peu grand. À 20 balles la nouvelle. C'est ça. Mais je l'avais acheté sur Vinted à 3€, je crois. Donc, voilà. Non, elle était sympa à lire. C'est un peu du OK lu. C'est pas la nouvelle de ma vie qui va bouleverser ma façon de voir le monde, mais ça se lisait rapidement, c'était pas désagréable, c'était pas si facile que ça à résumer, parce que justement c'est souvent le cas des nouvelles, c'est qu'il y a beaucoup de choses en peu de lignes et que les résumés des fois sont limite plus grands que Difficile de pas reprendre le texte de la nouvelle directement, quoi. Et comme en plus là il y a des parties où ça ressemble un peu à du délire et de la folie, c'est difficile à résumer pour garder cette idée là sans refaire du mot à mot, quoi. Donc, bon. Non, mais c'était sympa à lire. Voilà. Et toi, Émeric, qu'as-tu pensé de cette écoute?
Eh bien, je l'ai écouté dans la voiture en revenant de Bretagne et ça m'a occupé 2 heures à peu près et c'était plutôt, plutôt bien. Ouais, 1 heure et demie. Enfin, un peu plus d'une heure et demie. 2 heures en fait. Mais il parle lentement, Steve, vous aussi. Hein. Il articule très bien. Ouais, il pose bien ses phrases et tout. Ouais, ça fait 48 et 49 minutes. En fait, c'est en 2 chapitres dans le. Pas bravo à Audible qui écrit Bonjour. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et donc qui découpe 1408 en 2 chapitres et de 48 et 49 minutes chacun. Donc, ouais, c'était bien. Je pense que comme. Là, je pense que j'ai préféré aussi la partie l'échange avec le manager de l'hôtel. Mais sinon, là on est dans du King rapide, efficace, pas trop de fioritures. Donc j'ai trouvé ça très agréable. Je pense qu'en lecture, ça aurait été aussi très agréable. Ok. Et j'aime bien la fin. J'ai pas d'avis sur l'offre. Hein. Ça fait partie des trucs que, voilà, c'était comme ça. Tu te souviens de l'histoire quand même? Ni un avis négatif. Moi, j'ai fini de la résumer. Enfin, j'ai fini de la lire il y a 2 semaines, mais j'ai fini de résumer hier. Donc, j'ai dû relire la deuxième partie. Et par contre, en relisant hier pour faire le résumé, je me souvenais pas du tout de la fin. Comme quoi, elle est bonne, hein? Elle marque. Bah, en fait, on s'en fout. Comme d'hab, on s'en fout un peu de cette fin. Ce qui compte dans cette nouvelle, c'est l'ambiance de la partie. Non, c'est pas le voyage, c'est vraiment juste l'ambiance de la partie 2. En fait. Il y a pas de voyage là. Bah si, il va de l'ascenseur à la chambre quand même. Ah, il va dans le bureau, attends, il y a le bureau entre deux quand même. Oui, et le bar. Bon, attends, on le voit faire du surf. Ah non, pardon, c'est dans le film ça. On va faire du surf dans le film. Ah, on a dit que peut-être que ça serait aussi long que le temps que l'auteur passe dans la chambre. Hein. On va pas tarder à commencer, mais d'abord, on va lancer le concours. Parce qu'on vous avait dit, le livre de poche est très généreux cet été, nous a offert 5 livres à offrir. Donc, il y en aura un sur Instagram, un sur Twitter, un sur Facebook, comme d'habitude. Il y en aura un sur pour les Patriotes de Podcut. Et puis, il y en aura un à gagner aujourd'hui. Alors, c'est Julien qui va vous expliquer comment que ça marche, parce que moi, j'ai rien compris. C'est très simple. Là, j'appuie sur un bouton pour démarrer le tirage. Donc là, il y a un petit message qui a dû s'afficher chez vous. Ouais, le tirage est lancé. Donc, dans le chat, il faut faire point d'exclamation ENTER. Voilà comme Loylon. Exactement. Et donc ça, non, ben vous êtes... Envoyez les parties. Il suffit de faire ça pour être enregistré. Et à la fin de la nouvelle, donc vous avez tout le temps du résumé pour le faire. Et à la fin de la nouvelle, Julien, un tirage, au sort. Et ils ont même fait un truc avec une animation. Donc je partagerai mon écran. Il y a un bandeau qui tourne avec vos avatars Twitch. J'espère gagner. J'aime déjà. Toi qui gagne, franchement, ça craint. On fera un autre tirage. C'est ce que j'allais. Ah, alors je le fais aussi. Et ben voilà, ça a permis d'attirer Ragondin. Qui, pour la première fois sur le chat, participe au tirage. C'est bon pour le chat, vous avez tout compris à qu'est-ce qu'il faut faire. On est bon. On y va. Mais Urde, je t'ai vu. J'ai dit que j'allais le faire. Je veux voir l'animation trop cool. Allez, je lance le jingle pour le résumé. Mike Kenslin se trouvait encore dans la porte à tambour lorsqu'il aperçut Olin, le gérant de l'hôtel Dolphin, belle allitération in, installé dans l'un des gros fauteuils rembourrés du hall d'entrée. C'est l'histoire donc de Mike Kenslin, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer, de Mike, un écrivain, et de la chambre 1408 dans laquelle il veut absolument passer la nuit. Et je pense que c'est un résumé déjà assez complet. Visiblement, cette chambre se situe dans un hôtel plutôt huppé, le Dolphin, et le gérant de l'hôtel, Monsieur Olin, essaye désespérément de convaincre Mike de renoncer à son projet. Il a clairement peur de cette chambre, ce qui plaît à Mike. Il va peut-être utiliser ça dans son livre. Mike est sceptique, hein, rappelons-le. Enfin, précisons-le tout de suite d'emblée. Ouais, il sera. D'ailleurs, le directeur d'hôtel va l'afficher assez vite comme étant un sceptique qui fait ça pour le pognon, quoi. Et il va lui dire que c'est ça qui va lui coûter la vie aussi.
Le fait qu'il soit moi, j'ai fait une seule note que j'ai trouvée magnifique, c'est que l'écrivain dit qu'il fait des livres éponge facture. Voilà, j'ai trouvé ça fantastique. Des fois, il faut. Des fois, il faut. Bah, il fait que ça, en fait. Donc, le gérant l'amène dans son bureau pour discuter. On apprend que Mike a toujours une roulée derrière l'oreille, donc une clope roulée derrière l'oreille. Il la change tous les jours depuis le décès de son frère, mais ne la fume jamais. Il a écrit 3 livres, du genre 10 cimetières où passer la nuit, 10 châteaux où passer la nuit, et donc maintenant, il s'attaque aux chambres d'hôtel, donc 10 chambres d'hôtel où passer la nuit. Et donc, le but, c'est à chaque fois des endroits où, soi-disant, il y a des fantômes, etc. Pour être sûr d'avoir accès à la chambre 1408, qui est connue pour avoir vu plusieurs meurtres, et suicide, non, plusieurs on l'apprend meurs. Après. Mort, plusieurs pardon. Morts, en fait. Ouais, c'était pas, il n'y a pas eu de meurtre, c'est que des morts. Il est, enfin, bref, vous avez compris. Il est venu donc la réserver avec son avocat et un rappel à la loi. Il est interdit de refuser une chambre si elle n'est pas déjà réservée. Olin a lu un peu de chaque livre de Mike. Il s'est renseigné sur le bonhomme, il savait qu'il allait venir. Et il a bien compris que Mike ne renoncerait pas à dormir dans cette chambre, et pourtant, il aimerait vivement qu'il le fasse, de renoncer. Olin a découvert que Mike ne croit pas du tout aux histoires de fantômes qu'il raconte dans ses livres. Mike confirme, il s'en cache pas du tout. Pour Olin, les fantômes n'apparaissent pas à ceux qui n'y croient pas. Et le problème, c'est qu'il y a quelque chose dans la 1408, une force, mais pas un fantôme, et une personne aussi peu crédule que Mike est d'autant plus en danger. Mais je sais pas si il les a lus où les livres Olin. Il les a achetés. Ah. J'ai envie pourquoi tu souriais comme ça depuis tout à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il prépare comme on a senti les rouages. Ça travaille, ça travaille. J'ai les deux. Je me suis caché, mort de rire derrière ce nom. Je me suis dit, qu'il est en train de lire. En fait, je me suis dit, j'attends qu'elle le dise 3 fois et je le dis, comme Candyman. Well done. Comme c'était quoi dans le dernier coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Attention. Non, ce que j'aime bien dans cet échange-là, en plus, c'est que Olin, il essaye d'en appeler. Il a été un peu agréablement surpris parce que il écrit bien Mike, mais il écrit des histoires enfin, on pourrait appeler ça des histoires putaclic aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y croit pas, mais il fait des histoires sur les maisons hantées, mais dans un style soutenu, dans un style qui est apprécié par le directeur d'hôtel. Oui, oui, après, oui. C'est très à la mode, hein, tout ce qui est paranormal et tout, c'est quand même un gros truc, surtout sur Internet. Maintenant, je vous invite, si vous aimez ça, si vous aimez avoir peur. Mais le câble regorge d'émissions de. Comment il s'appelle ? Chasseurs de fantômes. Ouais, ou. Oui, aussi. Une de mes préférées, c'est il y a une femme avec un flic. Qui va dans des lieux hantés. Elle est exorciste, je pense, ou médium. Et médium, du coup, je crois, oui. Il faut qu'elle devine l'histoire du lieu pendant que le flic, lui, l'ancien flic, il récolte des infos sur l'histoire. Et après, il se recoupe. Et à chaque fois, elle est toujours très proche de la vérité. Après, honnêtement, même si c'est des conneries, je trouve ça cool quand même, tu vois. Ouais, c'est du divertissement comme les Kardashians. C'est du folklore, hein. C'est marrant, ouais. Mmh. Oui, d'accord. Chacun le lit comme il en a envie, soit en y croyant, soit en se disant que c'est une jolie histoire. C'est ça. Donc, évidemment, Mike donc a d'autant plus envie d'aller voir de quoi il retourne. Plus c'est comme un gamin, plus on lui dit faut pas y aller, plus lui il a envie d'aller voir. La chambre n'a pas été louée depuis plus de 20 ans. Olin propose à Mike de boire un verre avant de monter. Il lui raconte que dans cette chambre, il y a eu 12 suicides et une 30aine de morts soi-disant naturelles, sans compter celles qui ont eu lieu peu de temps après que la personne soit passée par la chambre. Une femme de chambre, d'ailleurs, y a même perdu la vue et ne l'a recouvrée qu'une fois au bout du couloir, donc pendant qu'elle nettoyait la chambre. Parce qu'elle n'a pas été louée depuis 20 ans, mais il nous explique que toutes les semaines, il l'aère... Il fait le petit ménage, quoi. Il fait le ménage minimum pour pas que ça pourrisse. Et donc, les appareils électroniques arrêtent de fonctionner ou deviennent fous dans cette chambre. La chambre 1408 se trouve à l'étage numéro 14, qui est en réalité le 13e étage. Attention, numéro 14, 13e étage. Et en plus, 1 plus 4 plus 0 plus 8, ça fait... Non, ça fait pas 19, ça fait bien 13. Est-ce que vous l'aviez capté ? Comme révélation. Si c'était pas écrit. Non, je l'ai capté quand ils l'ont dit. Ouais, voilà, c'est ça, pareil. Mais alors, en fait... Dès que je vois des chiffres, je cherche à voir si ça fait 19 ou pas.
Ben, ouais, en fait, moi aussi, maintenant. Je pense qu'on l'a tous fait, dans le premier film, réflexe. Un bureau de poste où c'est le numéro 565, j'étais là. 5, plus 5, plus 6. Ah non, putain, loupé. C'est ça. Ça va, Rain Man? Non, mais pareil, moi, maintenant, avec King, dès que je vois des chiffres, je compte. Après King, il est, je sais plus comment ça s'appelle, mais il a la phobie du 13. Oui. Trésophobe. Et je le dirai après. Ah. Je sais plus quoi. Mais oui, ça c'est dans, je sais pas si ça c'est exactement pareil en France, mais ouais, on entend souvent parler de ça aux États-Unis dans les hôtels, qu'ils ont aucun hôtel n'a même aucun immeuble n'a un étage numéro 13. Par contre, ils ont tous forcément un 13e étage. Quand t'as des immeubles de 50 étages, t'as forcément un 13e étage, mais il s'appelle numéro 14. D'ailleurs, Mike, ça fait partie des trucs qui le gonflent. C'est que le 13e étage existe. T'as beau l'appeler 14, ça change. D'ailleurs, aux États-Unis, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est le niveau 1. Ah oui, aussi. Et oui, c'est vrai. C'est galère. Mais il me semble qu'ici, il n'y a pas de... Non, c'est juste parce qu'ils sont relous. Je suis. Bah, peut-être qu'il n'y a pas de 13 non plus, ni de chambre 13, parce qu'il y a aussi la chambre 13. En France, je ne crois pas. Hein. Je ne suis pas sûre. Il y a des hôtels où il n'y a pas d'étage 13 et où il n'y a pas de chambre 13. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Et en France, voilà. Des bâtiments de travail, je me demande si mon ancien job, ils n'avaient pas fait sauter aussi le numéro 13. Où il y a des tours à la défense, il n'y a pas de numéro 13, ça c'est sûr. Ça, mais bon, bref. Les croyances de chacun. Et Loyalon nous confirme dans certains hôtels. Okay. Bon, bref. Merci le chat. Je sais plus où j'en suis, déjà. Ah oui. Ils buvaient un Mike, coup. Ils sont en train de boire des coups en discutant. Donc, Olin dit « Ah non, vas-y, fais pas ça. » Mike, il dit « Vas-y, je fais ce que je veux. » Donc, Mike commence à être saoulé par le blabla de Olin. Et donc, Olin lui tend la clé de la chambre. Il l'accompagne jusqu'à la chambre. Tente une dernière dissuasion, mais cette fois en mode supplication. Il essaie même plus d'argumenter. Il lui dit pitié, faites pas ça. Et bon, du coup, il s'en va. Jusqu'à ce moment-là, Enslin, il paraît vraiment un peu arrogant en mode non, mais vous me la ferez pas, vous faites monter la sauce. Jusqu'au moment où il arrive dans la porte et là, il dit on doit vous filer un Oscar et vous mettre dans toutes les maisons hantées du pays. Quoi. Il y croit pas parce que déjà, il croit pas à ce genre de choses. Et en plus, il a déjà fait deux bouquins. Où il est allé que dans des endroits soi-disant hantés et où il s'est jamais rien passé, quoi. Donc. Mais là, il lui a fait. Enfin, le moment où il va rentrer dedans, il lui a quand même vraiment collé les miquettes. On n'y est pas encore. Ah, pardon. Tu vas trop vite. Pardon. Parce qu'il y a tout un moment entre le moment où il rentre dans la chambre et le moment où Olin est parti. Et moi, là, Olin, il vient juste de partir. Oui, parce que vous avez dit qu'il partait devant la porte de la chambre, mais il me semble pas, il reste dans l'ascenseur. Il y a cette histoire. L'ascenseur se ferme et Mike est là. Il a une petite hésitation, genre je retourne dans l'ascenseur. Quand même, ça commence déjà. Tu as raison. Au début, je pensais qu'il était dans la chambre déjà, devant la chambre. Et j'ai oublié de modifier cette partie-là. Je l'ai compris qu'un peu plus tard. C'est pas grave. Merci, c'est gentil. Petit point culture générale. Supposé par LYC, j'aime bien t'appeler LYC du coup, qui dit qu'on n'a pas de Bible dans les hôtels en France. Enfin, je crois, il me semble que non plus. Non, parce que bon, c'est pas la même, effectivement, aux États-Unis, c'est pas les US. La Bible, c'est pas la même. C'est quand même particulier, voilà. Tout comme dans les pays musulmans, quand vous tirez le tiroir du bureau, vous avez la flèche qui indique vers la Mecque. Ça, vous pouvez faire votre prière. D'accord. Ah, c'est pratique en vrai. Bah oui. Ah bah oui. C'est fait pour. Donc LYC, comme tu dis, en fait, c'est Les Yeux Clos podcast qui avait fait. Moi, je suis Team Urd. LYC, c'est mieux. LYC. Ouais. Je sais pas. Avec vous, là, les rats dans les murs, ou je sais plus le nom de la nouvelle. Bref, donc. Ah, celui oui. qui garde le verre. Lui qui garde les rats le verre. Dans les murs. Bah, les rats dans les murs, c'est l'autre nouvelle presque pareil. Non, celui qui garde le verre, c'était pas. Non, je peux. Si, c'était lui. Mais il a changé de nom. Il a plusieurs podcasts. Ça. De toute façon, depuis tout à l'heure, on est sur un podcast TripAdvisor. Ouais. Allez, les 10 meilleurs conseils quand vous êtes à l'hôtel, le 8e va vous étonner. On en était où ? Oui, donc Mike hésite un peu devant la porte de l'ascenseur, mais par orgueil, finit par se diriger vers la chambre. Y a-t-il passé une nuit calme et ennuyeuse,
Le début du chapitre suivant répond directement à cette question, puisqu'il commence par... Emmerich, je t'en prie, je sais que tu aimes bien lire les extraits de livres. Ah, ça y est. j'ai perdu le fil. La chose la plus intéressante laissée par Mike Enslin pendant le bref séjour, environ 70 minutes qu'il fit dans la chambre 1408, est l'enregistrement de 11 minutes que l'on a retrouvé sur son magnétophone. Alors, bon, visiblement, c'était je tiens pas à dire si, que cette phrase est putassière. T'as cru qu'il était mort, c'est ça? Oui. Alors, je pense que avec cette phrase, je m'attendais à une suite très différente et celle que j'avais imaginée était bien mieux. Surtout que c'est pas le genre de la maison de faire des phrases. C'était la dernière fois qu'on voyait son dictaphone. moi, j'ai mal entendu dans le livre audio, j'ai compris 17. Donc, du coup, j'ai pensé qu'il avait passé que 17 minutes dans la chambre. Mais du coup, apparemment, c'est 70 minutes. Ouais, puis bon, même après, ils disent 90, je crois. De toute façon, le temps. Pas Baquès, Stephen King. C'est plus grand. Moi, à partir de là, je pensais qu'on allait avoir des éléments que via ces 11 minutes d'enregistrement. Mm. Oui. Alors qu'en fait, on passe tout ce moment-là avec lui dans la chambre et donc on a tous les détails vus par lui. Surtout, on a le détail. On a un mix des deux. On a un petit il appuie sur le bouton. Il appuie sur le bouton. Il appuie sur le bouton. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'il y a dans l'enregistrement est laconique et étrange. Donc, revenons au moment où Mike décide d'aller au bout de son expérience. Donc, il se rapproche de la chambre 1408, et là, il se rend compte que la porte penche sur la droite. Ça lui met une sorte de malaise, un peu comme de la nausée. En se reculant pour enregistrer ses observations, donc il a toujours son dictaphone avec lui, il se rend compte que la porte, en fait, ne penche pas du tout. Et il se dit que c'est l'autre, là, Olin, qui lui a monté le bourrichon, et que bah là, il doit être donc Olin en train de le regarder via la caméra de surveillance en se foutant bien de sa gueule. L'orgueil de Mike est piqué, et même s'il a un moment de réelle hésitation, il revient vers la porte qui penche vers la gauche cette fois-ci. Alors ça lui recolle la nausée un peu comme le mal de mer quand on est sur un bateau, mais il rentre dans la chambre. Elle est vieille. Ça commence bien. Ouais. Elle est vieillotte, mais normale. Il y a quand même des barreaux à la fenêtre. Après tout, 6 personnes ont sauté de là. Mike enregistre ses impressions donc sur son dictaphone, mais coupe tout d'un coup l'enregistrement, genre « Mais enfin !» 3 points de suspension, enregistrement coupé. Donc le narrateur nous dit que toute la cassette présente des débuts de phrases et puis des arrêts comme ça au milieu, et des phrases de plus en plus courtes et de plus en plus confuses. C'est clairement pas un podcast que j'ai envie d'écouter, quoi. Et en tout cas, c'est pas du tout l'habitude de l'auteur, parce que enregistrer ses observations, il le fait à chaque fois, sur donc les 20 ou 30 trucs qu'il a fait avant, et vraiment, ça ressemble pas à ce qu'il fait d'habitude. Là, on sent que c'est vraiment complètement décousu, enfin, c'est vraiment bizarre en si peu de temps, dès l'entrée, quoi, il part en sucette dès l'entrée. Donc là, en l'occurrence, ce qui lui a fait arrêter l'enregistrement, c'est qu'il a vu 3 tableaux. Un voilier, une femme des années 20 en tenue de soirée et une nature morte, des fruits, qui semblent avoir été peints dans une lumière très orangée, un peu comme au milieu du désert. Mike redresse tout ça. Donc, ah oui, parce que, je ne l'ai pas dit, mais les 3 tableaux sont penchés, eux aussi. Donc Mike les remet droit, mais il n'est pas à l'aise. Il dit dans le dictaphone qu'il doit se ressaisir. C'est clairement Olin qui l'a conditionné. Est-ce que c'est vrai que ça peut arriver. Vous êtes Mike. Le tableau est penché. Est-ce que vous allez le remettre? Oui. Ouf, moi je me lève au restaurant pour remettre les... Ah oui, carrément. J'étais sûr qu'on allait débusquer quelqu'un avec cette question. Non mais c'était sûr que ce serait Emily. C'est sûr que ce serait Emily. Dans les fosses des concerts, je remets les étiquettes de gens qui se dépassent là derrière. Je suis là, ploup, je vais derrière. Non, alors moi c'est l'inverse. J'aurais tendance à faire exprès de le mettre de travers juste pour vous emmerder en fait. Non, à mon déménagement, ça faisait rire tout le monde. J'ai un king pour les rangements de couverts. Et du coup, j'ai des amis quand ils ont acheté une maison, ils m'ont dit alors attends, on prend lequel parce que t'as fait un benchmark de rangement de couverts. Je fais alors attention à la taille. Ça dépend si tu veux. Écoute, est-ce que ça te rend heureuse? Oui. Bon, ouais. Bah alors voilà, c'est tout. Alors c'est cool. Moi, je suis Monica dans Friends, hein. Invitez-moi pour faire le ménage chez vous. D'ailleurs, tu feras gaffe, hein, le tableau dans la photo que tu as derrière toi, il est pas droit. Hein. C'est penché. En plus, demi-heure, ma caméra était penchée, on s'est laissé tomber. J'ai vu. Donc, Mike, à l'instar d'Emily, donc redresse tout. Et voilà, donc il se dit que.
son malaise, tout ça, c'est à cause d'Oline. Et donc, je disais, on a tout ça quand quelqu'un nous parle d'un truc, même si au départ, on a tendance à pas avoir peur ou quoi, ça peut nous conditionner à avoir des trucs, à entendre des trucs qui n'existent pas. Donc, Mike, est-ce que je peux partager quelque chose? Non, mais je crois qu'on a la même idée qui vient de popper en tête et il est parti loin, là. C'est-à-dire? J'hésite. Ah, tu veux qu'est-ce que on peut continuer. Donc Mike ouvre la fenêtre pour aérer la pièce. Il enregistre ses impressions, ce qu'il entend, donc du jazz, etc. Ça lui rappelle son frère et il enregistre sur le dictaphone. Tu veux le lire, Emeric? C'est un extrait. Il faut que je récupère vite fait le passage. J'arrête de te faire ça parce que j'en ai d'autres, des trucs comme ça. Il enregistre un dictaphone, c'est Orphée sur le circuit orphique. Non, au-dessus, non. Là où c'est surligné. Bon, j'arrête de t'embêter avec ça. Non. En fait, mon frère a été dévoré par des loups un hiver sur l'autoroute du Connecticut. Et car... puis après, il éclate de rire sur l'enregistrement. C'est vrai que c'est super drôle quand même comme van. Enfin, moi, perso, j'étais morte de rire. On se marre. Donc, il revient ensuite sur les trois tableaux. Il fait une fixation sur l'horrible nature morte, qui a l'air très moche. Il va dans la pièce d'à côté, parce qu'en fait, je parle d'une chambre depuis tout à l'heure, mais c'est une suite, donc il y a un salon et une chambre à part. C'est un F2, quoi. Il va dans la chambre, et alors qu'il cherche l'interrupteur, et comme il fait nuit, il tâtonne le mur, et au toucher, il a l'impression que la tapisserie, c'est de la peau vieille et morte. Finalement, il allume la lumière, et mis à part que la chambre est moche, tout a l'air d'aller bien, sauf qu'il se dit que jamais de la vie, il dormira là. Que ce serait comme dormir dans la nature morte. Donc, c'est vraiment une fixation. Enfin, on a l'impression qu'il rentre dans le tableau. Enfin, vraiment, il est... C'est le travail. Ouais. Et donc, il y a, c'est vrai que là, je ne l'ai pas noté à ce moment-là, mais il y a toujours un rappel de la lumière orangée, le dessus de lit qui est orangé, tout est orangé. Donc, à ce moment-là, Mike enregistre. Tu veux le dire, Emeric? Je vois que tu regardes l'écran. T'es dessus. Il est prêt. Orphée sur le circuit orphique. Oui. Ouais. Donc il enregistre Orphée sur le circuit orphique. Dites-nous ce que ça veut dire, on sait pas. En se baladant dans la chambre, il essaye de ne toucher ni le mur ni le couvre-lit orangé, mais lorsqu'il l'effleure, le couvre-lit, ça le dégoûte. Il sait pas trop dire pourquoi, enfin, c'est pas expliqué pourquoi ça le dégoûte, mais vraiment ça le dégoûte. Il regarde le menu, il est écrit en français et les plats n'ont aucun sens. Il ferme les yeux et les rouvre plusieurs fois. Le menu change de langue à chaque fois, puis disparaît pour laisser la place à une image tirée d'un film d'horreur pour enfants. Et, alors oui, film d'horreur pour enfants, c'est particulier, mais voilà, c'est comme ça. Là encore, il essaye de se convaincre que c'est juste son imagination qui l'amène à voir ça. Et d'ailleurs, après avoir à nouveau cligné des yeux, il voit un menu classique en anglais. Malgré tout, Mike ne se sent pas vraiment bien dans cette chambre. Son cœur tape très fort, trop fort. Et il se demande si c'est pas un gaz qui le rend comme ça, comme l'a suggéré Oline, qui aurait eu un gaz dans cette chambre qui peut-être rendrait fou. Un poison, ouais. Ouais. En tout cas, quelque chose ne va pas dans cette suite. Là, il en est sûr, quoi. C'est pas juste son imagination. Lorsqu'il regarde la chambre autour de lui, il se rend compte que toute la déco a disparu. La lumière orangée le dérange de plus en plus aussi. Il dit maintenant que c'est un orange fiévreux. Lorsqu'il retourne dans la partie salon, les tableaux sont de nouveau penchés. Mais surtout, la nana est à moitié à poil, elle se touche les boobs et du sang sort de ses tétons. Elle sourit et elle a les dents taillées en pointe. Alors, il y avait écrit dans le bouquin, je ne sais pas comment c'est en anglais, il y avait marqué « taillées en pointe à la cannibale ». Comme oui, si les cannibales taillaient les dents. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais il y a réellement, je ne sais pas si c'est d'actualité, mais des tribus qui font ça. Voilà, sachez-le. Qui se taillent les dents ? Ouais, en pointe. Et des tribus cannibales ? Ça, je ne sais pas. Et je ne sais pas si elles le font encore, mais en tout cas, ça existe. Il y a un peu un petit mix de... Bref. Pourquoi pas, hein ? Ouais. Après, peut-être que là, il faisait plus référence à des cannibales type film d'horreur et pas... Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. C'était bizarre, mais bon. Donc, sur le bateau, donc le deuxième tableau, hein, où il y a un bateau, il y a tout un tas de gens sur le pont, qu'il n'y avait pas avant. Et Mike comprend très rapidement qu'il s'agit de toutes les personnes mortes dans cette chambre. Dans la nature morte, il y a une tête tranchée à la place des fruits, mais toujours cette couleur orangée.
et la tête à une clope derrière l'oreille. Tant, tant, tant. Là, c'en est trop. Mike essaye de sortir de la pièce, mais la porte est fermée, impossible de l'ouvrir. Il retourne vers le bureau, mais il a l'impression de patauger sur la moquette. Il fredonne, et il a l'impression que la chambre lui répond et fredonne aussi avec des milliers de bouchées. Donc, il décide d'appeler à l'aide, mais alors avec le téléphone. Mais il voit ses gestes au ralenti comme s'il était sous l'eau. Il compose le numéro, donc tout ça au ralenti. Oui. On est en pleine, vraiment, ce passage-là, cette description, moi j'étais en pleine angoisse. Vraiment, c'est bien décrit, ça te donne. Moi, ça me mettait vraiment mal à l'aise, toute cette partie-là. En fait, c'est vraiment typiquement le genre de bouquin, si tu arrives à le lire en étant un peu isolé, tranquille, et donc à te laisser porter par l'ambiance, ça marche. Si tu le lis alors qu'il y a du bruit autour de toi, que tu as interrompu toutes les quatre lignes, etc., bah, ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais, ça a moins d'impact. C'est ça, c'est vraiment le genre de livre, l'ambiance compte, donc il faut le lire dans des bonnes conditions. À 110 sur les autoroutes bretonnes. Écoute, ça donne la fuite, tu vois. Donc, il décide d'appeler à l'aide, voilà, tout ça, il compose le numéro. C'est un poil difficile à résumer, donc moi, à ce moment-là, parce que bah, c'est ce que je vous disais, ça part dans tous les sens, c'est une sorte de délire. Je vais faire au mieux, mes copains, ils me viendront en aide au besoin. Donc, il passe son coup de téléphone et la voix au bout du fil lui dit... Ah, ça va. C'est le 9. Le 9. C'est le 9. Le 9. C'est le 10. Le 10. Nous avons tué tous vos amis. Ils sont tous morts maintenant. C'est le 6. Le 6. Et donc, ça terrifie Mike. Bingo! Parce que c'est que la voix là qui dit ça n'a rien d'humain ni d'un automate. C'est la voix de la pièce. Et Steve, oui, il fait très bien la voix. C'est vrai? Ouais. Quand il raconte, c'est pas ouf, mais quand il fait les voix, la voix, c'est bien. Il y a une bonne voix de psychopathe. Mike comprend qu'une chose est en train d'arriver dans cette pièce. D'arriver, c'est-à-dire physiquement. Elle va rentrer dans la une pièce. Une présence. Ouais. Et qu'il sera le repas de cette chose. Machinalement et totalement paniqué, Mike met sa cigarette à ses lèvres et cherche le paquet d'allumettes partout pour l'allumer. La chambre a commencé. Il l'avait récupéré au début dans le cendrier parce que c'est une chambre fumeur, juste pour faire le lien. Parce que oui, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas été ouverte et à l'époque, c'était une chambre fumeur. C'est ça. Donc la chambre a commencé à s'affaisser, un peu comme si elle était en train de fondre les coins des murs, etc. Mike finit par trouver les allumettes et il décide de foutre le feu à sa chemise. Et là, il voit parfaitement ce qui se passe autour de lui. Ça lui permet de reprendre un peu de... d'avoir la chemise en feu pour lui ravive l'esprit. Là. Les flammes et la douleur, ça réveille un peu, ouais. Sur le mur, il y a maintenant une fissure immense de laquelle une chose est sur le point de sortir. Le feu sur sa chemise le ramène à la réalité, donc c'est ce qu'on vient de dire. Et il se reprécipite vers la porte, un peu désespéré, et elle s'ouvre. Mike pense que la chose n'aimait pas la chair cuite. Il voulait un steak tartare et... Et il lui offre un barbecue, donc forcément. Le hasard fait que le voisin de chambre de Mike, un certain Rufus Dearborn, donc on a déjà croisé, n'est-ce pas, était dans le couloir avec un seau de glaçons au moment où Mike est sorti de là en mode torche humaine, ce qui a sans doute sauvé la vie de Mike. Rufus se souvient très mal de cette soirée, juste que Mike était en feu, qu'il y avait une lumière orangée aveuglante, peut-être pas terrestre, et puis c'est quasiment tout, quoi. D'ailleurs, Rufus a essayé de rentrer dans la chambre, comme attiré par elle, mais Mike lui a attrapé la jambe, et Rufus a repris pied. Mike lui a dit que la chambre était hantée. Il lui a clairement sauvé la vie. Hein. Sans la ça, porte de la chambre s'est refermée d'un coup, et puis tout est redevenu calme, plus de lumière bizarre, etc. Le machin, il avait faim, hein, il a essayé d'en attraper un deuxième, hein, du coup. Ça fait un peu comme les lumières qu'attirent les lucioles, les papillons de nuit, les mouches et tout ça. Ah, c'est beau. C'est beau. Eux, ils sont attirés parce qu'ils pensent qu'ils vont ken quand même. Hein. Alors, j'ai eu une pensée très rigolote parce qu'au début, je me suis dit, mais comment il va éteindre le feu avec des glaçons? Et je me suis dit, ça se trouve, il lance les glaçons et il va juste l'assommer, en fait. Voilà, c'était un détail un peu con, mais... Ça m'a fait très rire. Jamais compris ce truc du seau de glaçons que tu trimbales dans les hôtels. J'ai vu ça dans plein de films américains, dans des romans. C'est très américain, les seaux à glace dans le couloir. Les machines à glaçons au bout des couloirs dans les hôtels. Ouais, j'ai vu ça plein de fois à la télé, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais avec un seau à glaçons dans ta chambre?
Eh ben, tu rafraîchis tes boissons du minibar. Ok, ah, mais t'as un énorme seau. Ils ont toujours des énormes seaux, genre. Ouais, ça, genre, t'as comme ça. Oui, tu fais tu refroidis tes boissons. Ok. Ah, parce que, enfin, moi, les rares fois où j'étais dans un hôtel où il y avait un minibar dans la chambre, c'était dans un frigo. Oui, mais c'était une tradition. Au départ, il n'y avait pas de frigo. Il y avait des machines à glaçons dehors. Et puis, petit à petit, il y a eu des frigos, mais ils ont gardé les machines à glaçons. Bon. Ah, ok. Un an et demi après tout ça, le torse de Mike apparaît dans un bouquin sur les grands brûlés. Son éditeur, qui a pu récupérer les cassettes, enfin la cassette du dictaphone, a décidé de l'enfermer dans son coffre pour ne jamais la réécouter tellement le malaise est grand à chaque écoute. Par contre, il aimerait bien que Mike en fasse un bouquin, mais c'est mort. Mike ne veut plus jamais rien écrire. D'ailleurs, Olin demande à écouter la cassette et l'éditeur dit c'est mort. Mike s'en est sorti de ses brûlures. Mais il a tout un tas de soucis de santé maintenant, hypertension, prostate, etc. Il ne se souvient pas de ce qui s'est... Exactement. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé exactement cette nuit-là. Par contre, il fait beaucoup de cauchemars, mais qu'il oublie dès qu'il se réveille. Tout ce qu'il sait, c'est que cette chose n'avait rien d'humain, contrairement aux fantômes qui ont été humains un jour. Donc c'était pas un fantôme pour lui. Il attend que sa mémoire s'améliore, que sa santé s'améliore. Il a fait retirer tous les téléphones de sa maison. Et il baisse les stores dès que le soleil couchant est trop orangé, un peu comme une lumière. Le trauma est là, le trauma est là. Fin de la nouvelle. Est-ce que vous avez des choses le problème à avec la lumière orangée. Bah, c'est-à-dire que tu n'as pas failli te faire bouffer à cause d'une lumière orangée. Mais regarde, là, il est dans une belle lumière orangée. Moi, ça me fait déjà peur. Hein. La voix de la chambre. Pas par hasard. C'était Emmerich dans son micro tout près qui te parle comme ça. Je vais te manger. Je vais t'envoyer une clope à mettre derrière ton oreille. Si jamais. De Kiki quand même. Hein. Avant qu'on avance, il vous reste, pour ceux qui veulent participer au concours, allez, une ou deux minutes pour taper point d'exclamation, ENTER, pour être. Enter. Ouais. Tiré au sort pour gagner un exemplaire de Tout est fatal. Il y a déjà 10 personnes dans le. Attends, 10, wow. Ouais, c'est ça. C'est dur de moins grand poil, quand même. Ah oui. Bah pourquoi? C'est dégueulasse. Est-ce que j'ai qu'on leur impose de la pub et les livres, c'est pas pour en plus gagner les livres à nos propres concours. D'ailleurs, je voulais faire un test. M'en fous, je suis un patriote aussi. Je vous propose de citer LYC qui nous dit « Sinon, le film 9 semaines et demie, que j'ai pas la ref, montre un bon tutoriel sur quoi faire avec des glaçons. » Je suppose que c'est quelque chose de dégueulasse. Alors, tu peux regarder Hot Shot à la place. T'as vu Hot Shot? Ah, oui. Dans Hot Shot, ils le font avec des glaçons aussi. Et des olives. Et un œuf au plat. Ah, ok. Week-end, quoi, en fait. Après, c'est un peu non, chacun le trouve bien comme il je veut. Je fais un test. Bon, ouais. Attention. Est-ce que. Ouais, vous le voyez? Est-ce que ça s'affiche On peut regarder le stream. Sur Twitch. Faut que je clique. Clique sur regarder le stream. Ça y est. Bon, bah, on espère qu'il y a l'agrume là qui vient juste de. Merci, Emmerich. Que... Ah, c'est toi? Oui, c'est Mike, oui. Allez, j'appuie sur le bouton, ça va tourner. Un son. T'appuies ou pas? Ouais. Ah, oui. Ça tourne là. Alors, assis un petit peu. Wow. Oui, ça y est. C'est beau. Oh là là, qui va gagner? Allez. On va tomber sur la mic. Ah putain. Oh. Eh ben, c'est Urde. Du coup, on retire. Yes, j'ai gagné un livre. Allez, je retire. Et du coup, vitesse du tirage, rapide. Hein. Pendant que le tirage au sort se fait, qu'est-ce que vous pensez de cette fabuleuse idée de vous faire gagner un bouquin dont on vient de raconter toute l'histoire dans le détail? Dites-nous. Non, on fait gagner une nouvelle. LYC. Bravo. Voilà. Et en plus, tu as mérité. Tu nous enverras et coordonnées, un peu comme tu veux, Twitter, Instagram, Facebook, Discord en privé. C'est toi qui vois. Tu nous diras quoi. Tu peux quoi. Arrêter de regarder mon stream, Pomme. Oui. Pour remettre nos têtes à bonne taille. Bien. On va attaquer la suite. Qu'en dites-vous? Je me remets. Vas-y. Je dis oui. Hop, voilà. Dingue. Alors,
La suite, c'est quoi la suite? La suite, c'est l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King par Emily, je suppose. Je suppose. Oui, je suppose. Attendez, 3, 2, 1. La nouvelle 1408, titre original 1408 de Stephen King, donc paraît en version écrite en 2002 dans le recueil Tout est fatal, et elle a été rééditée alors par Wiz. Oui, c'est la collection jeunesse-ado d'Albin Michel qui s'amuse à rééditer beaucoup de nouvelles de King dans des formats très jolis mais un peu chers. Hein. On va pas se cacher que pour une nouvelle de 25 pages payée, je crois qu'il doit être à 12 ou 14 euros. C'est joli mais c'est cher. 10,90 euros celui-ci. Ok, et ils l'ont réédité sous le nom Chambre 1408, qui est le nom de l'adaptation, comme ils ont fait pour Rita Hayworth et La Rédemption de Shawshank, où ils l'ont réédité sous le nom Les Évadés. Pourquoi pas. Donc Stephen King a écrit le début de 1408 alors qu'il était sur l'île de Sanibel. Il publie les premières pages dans son essai Écriture, Mémoire d'un métier. En fait, il les écrit exprès pour cet essai-là. L'idée, c'est de montrer comment un récit change entre le premier jet et la relecture. Il n'avait pas du tout l'intention de la terminer, puisqu'il avait déjà son hôtel hanté, parce qu'il avait déjà publié Shining, mais il a bien aimé le personnage principal. En réalité, l'histoire complète, elle est parue pour la première fois en tant que l'une des trois histoires du livre audio Blood and Smoke en 2000, donc avec deux autres nouvelles du recueil Tout est fatal, Déjeuner au Gotham Café et Salle d'exécution. Et ça, on les a pas faites encore, il me semble pas, avec le roi Steven, mais elles sont cool, je pense qu'on les fera, on les fera bientôt. Tu les as écoutées, Mike? Non, j'ai pas écouté. Okay. J'ai juste écouté le début de chaque nouvelle parce que je me suis dit dans le livre audio qu'ils avaient inversé l'ordre puisque au chapitre 14, ce n'était pas 1408. Ah oui. Mais c'est King qui lit les trois. Je sais pas, j'ai pas retenu les titres et qui lisait quoi. Elle voit ici, il dit que Salle d'exécution est terrible. Ouais, elle est très très bien. Elle, je me souviens de ma lecture, pour le coup. Donc, au programme, je ne la relirai pas. Au programme, je me souviendrai de ma lecture. Alors, pour ce qui est de l'inspiration, en plus du fait que c'était plutôt un outil de travail à la base pour son essai, c'est une histoire aussi assez classique, mais pour laquelle King il a trouvé l'inspiration après avoir lu un article sur une enquête menée par le parapsychologue Christopher Chacon à l'hôtel Del Coronado de San Diego. Et j'ai l'histoire, donc je vais vous la raconter. Construit à la fin des années 1880, le luxueux hôtel était un terrain de jeu pour l'élite d'Hollywood dans les années folles. Il a accueilli des stars comme Charlie Chaplin, Mae West et Greta Garbo. Mais il est surtout connu pour un incident tragique qui s'y est produit quelques années après son ouverture. En 1892, une jeune femme nommée Kate Morgan s'est rendue à cet hôtel le jour de Thanksgiving sous un faux nom et a informé le personnel qu'un homme la rejoindrait. 5 jours après son arrivée, le corps de Kate est retrouvé dans un escalier menant à la plage après qu'elle se soit suicidée. Depuis, les clients et employés de l'hôtel ont signalé plusieurs incidents effrayants, se déroulant principalement dans la chambre au 3e étage, occupée par Morgan, des objets se déplaçant de manière inexplicable par eux-mêmes ou des voix et des pas désincarnés. Ce n'est pourtant pas dans cette chambre que Christopher Chacon a été témoin d'événements paranormaux, mais une autre pièce qui faisait partie des quartiers des femmes de chambre. Et après avoir installé des caméras infrarouges, des compteurs magnétiques, etc., Chacon et son équipe ont détecté un total de 37 anomalies dans la chambre de l'ancienne femme de chambre, y compris un verre qui est tombé au sol par lui-même. King, il a lu ça et il a brodé un peu autour pour faire une histoire. C'est ce que disait Pomme au début, hein, elle est cool, mais elle est classique. Pour terminer, côté connexion, je ne sais pas si vous avez relevé, mais l'hôtel Dolphin, il est sur la 61e rue à New York. Et en fait, c'est la même rue où se trouve le Cochon du Sud, le Dixie Pig en VO, le Cochon du Sud dans la Tour Sombre. Et on retrouve quand même... Et on retrouve quand même le nom de Rufus Dearborn. Dearborn étant quand même le nom de naissance de Roland le Pistolero de la Tour Sombre. Ça fait quand même beaucoup... Pour une petite nouvelle... Ça fait 2 gros éléments très tour sombresques. Dans quelle mesure la chambre, elle se trouverait pas à un étage de la tour ou elle serait pas coincée entre deux portes Baadash? Est-ce que la chambre, ça serait pas un monstre Baadash qui prend la forme d'une chambre et qui piège les gens?
On peut, surtout que, alors moi, vu que j'ai pas relu la nouvelle, je sais pas à quel point on peut s'amuser à en tirer des références, mais on va en parler après dans l'adaptation. Dans le livre, on a quand même des, genre, une porte, à un moment donné, en plein milieu de la chambre, et qui s'ouvre, alors, sur un grand vide, mais où moi, j'étais quasiment sûre que ça allait s'ouvrir sur la plage, qu'on voit plein de fois au début, et qu'on voit plein de fois dans le film, et je me dis, dans quelle mesure il n'y a pas un, c'est avant que sorte la fin de la tour sombre, mais il n'y a pas des prémices de la tour sombre, dans cette histoire-là, ou des petits bouts. Ce serait pas un gros coup de chat. Ouais, c'est ça. C'est possible, hein. En fait, c'est ce qu'on disait quand on a fait la tour sombre, on ne sait pas trop ce qui est conscient ou pas conscient. Dans les autres, cas, dans un autre livre, on avait relevé une connexion à la tour sombre. Il parlait quand même du carillon, de choses comme ça. Là, il n'y a pas de carillon, il n'y a pas de... Pour le badache, ça, il n'y a pas, ouais. Non, mais de toute façon, dans la tour sombre, Jake, il manque de se faire bouffer par une maison, quand même. Oui. Oui, mais c'est, bah moi, c'est plus, plus, ça, plus en fait. Ouais, c'est plus spectaculaire, c'est dans plus une réel, maison. Quoi. Oui, bon, bah là, c'est un petit, c'est une chambre, c'est pas une maison, donc c'est moins spectaculaire, mais. Et puis, c'est plus dans le... ça. Dans l'adaptation, il repart en boucle de 60 minutes, il repart au début des 60 minutes pour les revivre jusqu'à ce qu'il réussisse à en sortir. On lui dit plusieurs fois, tu vas les revivre jusqu'à l'infini, sauf si tu décides de mourir, en gros. Mm. Moi, j'ai surtout pensé simplement au monstre dans Celui qui garde le verre. C'est ça ? Je n'ai aucun simplement, souvenir en fait. Bah, y a un gros monstre tentaculaire, si je ne me trompe pas. Hein, parce que... Oui, ça, il y a effectivement un enfin, bref, le Cthulhu. Voilà. Après, ça reste un truc assez classique à la maison qui essaie de bouffer ses occupants. Bon, tout à fait. Ouais. Par contre, je suis étonnée, Émilie, tu dis que Dearborn, c'est le nom de naissance de Roland. Je pensais que c'était un faux nom. Alors... oui, comme non, on fait d'habitude, à partir du moment... Attends, juste pour les auditeurs, à partir du moment où on a fini un bouquin, on le spoil dans tous les épisodes à venir, éventuellement. On a fini la tour sombre, on ne prend plus de gants avec les spoils sur la tour sombre. Saisis non, pour j'ai tous dit les... de naissance, mais c'est le nom qu'il a... C'est le nom d'emprunt qu'il a quand il va à Mégis. Ah. Oui, ça, c'est le nom de Mégis, ouais. Ok, bon, c'est bon. Oui, pardon. J'ai repris Emily de SKF. Et oui, elle était concentrée. Achievement. Dans le chat, il y a LYC qui demande s'il n'y aurait pas un lien avec l'Overlook, le fait de revivre éternellement, justement. Oui, on peut le dire, c'est un sous-petit Shining. Hein. Ouais, après l'Overlook, c'est un hôtel hanté et là, c'est une chambre maléfique. C'est pas pareil. L'hôtel, il n'essaye pas de faire quoi que ce soit au... À l'hôtel en lui-même, c'est à la qui vit dans l'hôtel. Ouais, c'est ouais. Ça. Et pour le coup, ça, dans le film, c'est répété. Je ne sais plus si c'est dit autant dans la nouvelle, c'est répété que ce n'est pas une chambre hantée, c'est une chambre maléfique. Ça me l'a dit. Oui, puisque l'histoire se clôt sur au moins les fantômes ont été humains, et là, ça n'avait rien d'humain. Ouais. Par contre, ça fait plusieurs fois, et comme j'écoutais pas tout le temps, bah, comme d'habitude, c'est mon moment de pause, hein, ça fait plusieurs fois que vous parlez de revivre la même chose sur 60 minutes. C'est pas c'est dans le, la nouvelle. C'est le film, c'est le film. Ah ok, d'accord, ok. Après, il y a un côté, alors on va pas spoiler, il y a un côté roadmaster aussi, dans cette histoire d'un lieu qui pourrait être une porte vers quelque chose et qui dévore ce qui essaye de s'en approcher, quoi. D'accord. Personne n'a l'air, aidez-moi. Non, parce que désolé. Non, je t'avoue, celui-là, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu non plus. J'ai adoré Run Master. Il n'est pas connu, mais il est trop bien. Bon, on le fera, peut-être dans pas si longtemps que ça. Pourquoi pas. Il va falloir qu'on choisisse des choses. Oui, parce qu'il est cité, il a cité assez souvent dans les recos, si je ne me trompe pas, non? Ben moi, Run Master, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Hein. Enfin, ouais, voilà, il me semble aussi. Hein. Enfin, une petite impression. Il dit à chaque fois. Non, même oui, pas. Bah, oui. Blaze. Dis Blaze. Ah oui, c'est Blaze. Ah oui, aussi. Ok. Tu as fini, Emily, ou tu as encore... Oui, j'ai fini. Ok. Non, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette partie-là, les autres? Nope. Bien. D'ailleurs, on avait oublié le jingle. Non, il a été fait. Il y a Enardan qui dit qu'il a la ref pour... ou qu'elle a la ref pour Roadmaster. Et que c'est bien vu. Oui, que c'est bien vu. Ça va, tu n'es pas seul. Oui, eh bien, nous allons passer du coup à la rubrique suivante qui est là où les adaptations génériques.
Alors, c'est moi qui m'y colle. On va commencer par un petit instant Wikipédia. Le titre du film, c'est Chambre 1408. En anglais, le titre original, c'était 1408 tout court. Il a été réalisé par Michael Hafström. Je m'excuse pour tous nos amis nordiques. Nordiques. Je suis pas sûr du tout. Sur un scénario de Scott Alexander, Matt Greenberg et Larry Karaszewski. D'après la nouvelle 1408 de Stephen King. Voilà. On va pas revenir là-dessus. Ça a été produit par Dimension Film, des spécialistes un peu de ce genre de films, et la Weinstein Company. Weinstein, je ne sais jamais. Ouais. Pour un budget de 25 millions de dollars. Il dure 104 minutes avec une director's cut qui existe de 112 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 22 juin 2007 et en France le 16 janvier 2008. Et en France, il a été classé tout public avec avertissement. C'est... T'as pas l'air en accord avec ce classement. On est assez libéral, je trouve, hein, sur la classification. Pour une fois, oui. Alors, en termes de distribution, on a John Cusack, qui joue Mike Enslin. Très bien, d'ailleurs. Vraiment, il est à fond. Enfin, de toute façon, on voit globalement que lui. Donc, il porte le film, il fait ça très bien. J'ai l'impression qu'à l'époque, il était abonné à ce genre de film. Je crois que c'est un peu avant qu'il commence à faire du Nicolas Cage et partir en sucette et jouer dans tout et n'importe quoi. Ah, c'est drôle que tu dis ça parce qu'il voulait jouer Torrance dans. Enfin, il voulait jouer le gamin dans une adaptation de Dr. Sleep. Ok. Ah oui, tu le relis à son père dans Shining, du coup, c'est rigolo. Je vais retrouver le film auquel je pense. Pour le directeur d'hôtel Gerard Rowling, on a Samuel L. Jackson. La femme de Mike, qu'on croise dans le film, mais pas vraiment dans le bouquin, on a Mary McCormack. Et Sam Farrell, pareil, hein, on a Tony Shalhoub, que vous connaissez peut-être, il a joué Monk. Oui, lui j'ai reconnu. Ah. Oui, exact. Je pensais à Identity. Oui, Identity, oui. Moi, je n'ai évidemment pas vu ce film, hein, vous vous doutez. C'est un peu plus récent, je crois, Identity, que Chambre 1408. Non, ah ouais, non, c'est plus ancien, 2000, je l'ai vu au 2003, cinéma. 2003 Identity. Et 1408, c'est 2007. Ah ouais. Je faisais tourner ça. Mais ouais, ok. Donc, le projet démarre sa production en 2005 avec une première version du scénario rédigé à ce moment-là. John Cusack signe pour tenir le rôle principal en mars 2006, et c'est sur la suggestion de Quentin Tarantino, qu'il a lu le scénario, et qu'il a bien apprécié, qu'il conseille à Samuel L. Jackson de rejoindre le projet. Le tournage se déroule principalement à Londres, dans les studios de Delstree et de Pinewood, que vous connaissez peut-être pour James, et quelques extérieurs sont filmés à New York et à Hermosa Beach. Pinewood, c'est les studios très connus de Londres, et beaucoup de James Bond ont été tournés là-bas. C'était James que je voyais pas de qui tu parlais, en fait. Bond, James Bond. James Bond, très bien. Le dénouement était jugé trop pessimiste lors des projections tests, une nouvelle fin a été tournée. On vous en parlera un petit peu après de toutes les fins possibles. Le film, lui, a été plutôt bien accueilli par la critique, et personnellement, j'ai trouvé ça vraiment agréable à regarder, assez démonstratif par rapport à la nouvelle, et avec une fin qui, moi, me convient très très bien. En parlant de fin, justement, il y en a quelques-unes qui ont été tournées. Tout d'abord, la fin diffusée au cinéma, et donc la fin que la plupart des gens ont vue, est de loin la plus heureuse. Mike survit et son récit des événements est confirmé grâce à un enregistrement audio. La fin gentille. La fin gentille. Il écrit un livre ou pas ? Il en écrit, on ne sait pas ? Oui. Non, Si. En fait, il écrit le livre parce qu'en fait, dans le... Vas-y, fonce. Je spoil. Dans son hallucination dans la chambre, il a l'impression de sortir et il vit carrément. On comprend qu'il vit quelques semaines, mois, et donc il publie son roman et il va pour l'envoyer au bureau de poste. Et là, en fait, le gars qui le reçoit au bureau de poste, c'est le même gars que celui qui lui a demandé s'il pouvait prendre sa valise au début du film. Et il aperçoit les mecs qui sont en train de faire des travaux dans le bureau de poste. Et en fait, c'est tous des mecs qu'il a déjà vus
dans l'hôtel avant de rentrer dans la chambre, et il commence à démolir tous les murs, et en fait ça redevient la chambre. Et en fait à la fin, il vient d'emménager avec sa femme, enfin de réemménager avec sa femme, et elle sort des trucs, des cartons, et elle lui dit « Oh, je t'ai jamais vu écrire aussi vite ». Il est en train de taper un truc sur son ordi. Je t'ai jamais vu écrire aussi vite. Il fait, c'est facile, je l'ai déjà écrit. Mm. Voilà. Et elle trouve le dictaphone. Elle trouve le dictaphone, elle dit, on va le jeter. Elle lui dit, non, on va jeter le carton. C'est toutes les affaires qui ont brûlé avec lui dans l'incendie. Et il récupère juste le dictaphone, il le relance, et on entend la voix de sa petite fille qui lui dit, oh papa, reste avec moi, je veux que tu restes avec moi. Alors, toi, t'as vu la director's cut alors. Pas tout à fait celle-là. Ça pour moi c'est la director's cut, c'est ce que j'ai noté en tout cas, que justement Mike meurt pas dans l'incendie. Non, parce que il est pas mort. Si je me trompe pas, la director's cut c'est celle-là, sauf que la mère aussi entend la petite fille qui dit ah papa, et ça finit sur eux qui s'échangent un regard en mode ou lui un peu sûr de lui, oui j'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu, et elle en mode attends, c'est la voix de notre fille sur ton enregistrement. Moi j'ai vu cette fin là. C'est qui cette gamine? Elle sort d'où? Pourquoi on l'entend sur l'enregistrement? En fait, il a une fille qui est morte d'un cancer. D'accord, ouais, parce que ça, je sais pas si vous l'avez dit, mais moi je l'avais pas en tête, du coup je voyais pas pourquoi. Parce que c'est que dans le film. Oui, mais est-ce que Grand-Paul l'avait dit en parlant du film? Non, pas encore. Les directeurs, c'est celle où il décède, où il meurt dans les flammes, et donc il n'y a pas d'histoire de bouquin, machin. LYC dit que c'est la version qui a été diffusée il y a 2 semaines sur Warner TV. Voilà. Ok. C'est celle de mon Blu-ray, donc c'est compliqué. En plus, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas fait l'historique là, mais il y a, en fonction des plateformes, même à l'heure actuelle, sur les versions diffusées sur Netflix dans différents pays, c'est pas la même. Donc c'est un peu le dawa. Donc comme on disait, la fin de la director's cut, Mike meurt dans l'incendie, mais il révèle qu'il est heureux de voir la pièce hantée détruite. Le personnage de Samuel L. Jackson voit ensuite plusieurs apparitions au funérailles de Mike, y compris le cadavre de Mike assis sur la banquette arrière de sa voiture. Le film se termine avec l'esprit. Ouais, l'ajout de 15 minutes qui sont plus sanglants et un peu plus gore apparemment. Pendant sa présence dans la. Ouais, c'est un peu plus violent. Donc le film se termine avec l'esprit de Mike qui est debout dans les ruines éventrées de la chambre 1408 avant d'entendre sa fille l'appeler et disparaître. Et cette version est en fait la version par défaut sur plusieurs versions internationales du DVD Blu-ray et sur certaines plateformes de streaming. La dernière fin alternative est à peu près similaire. Mike meurt dans le feu. Le personnage de Tony Shalhoub, Sam Farrell, lit le manuscrit de Mike sur ses expériences dans la pièce avant que les portes de son bureau ne se referment soudainement. Ouais, et là, celle-là, je l'ai vue, je l'ai trouvée sur YouTube. Il y a un côté un peu intéressant en mode, en fait, vu que ce qui possédait, entre guillemets, la pièce est parti de la pièce parce que la pièce a été brûlée, il s'est mis dans le manuscrit. T'as vraiment l'impression que du coup, lui, enfin, qu'il va être possédé. C'est Ring, en fait. Qui va hanter ce lieu. Ouais. Ça s'est reporté dessus, quoi. En vrai, elle est cool, cette fin aussi. Pour finir, John Cusack lui-même a une idée de fin qui lui permettrait de revenir sous les traits d'Enslin, parce qu'il a envie de tourner. Il aimerait bien tourner dans une suite. 1409, la chambre 1409. La chambre 13. Donc 1410, il disait, c'est ce qu'a vécu la nana avec son bébé dans le landau. Ah. T'aurais un autre point de vue. Ouais. Donc un petit extrait de ce que dit John Cusack. J'ai toujours pensé qu'il y avait une autre version de 1408 dans laquelle il pourrait se réveiller dans la pièce et continuer. Ce serait entrer dans la tête de Stephen King. C'est un écrivain tellement formidable et j'adore cette horreur psychologique à la Rod Sterling, mais pas trop le sang. Quel lèche-botte. Un peu. Et ça, c'est une formidable traduction que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Stephen King France, je crois. Ça sent le Google Trad. Oui. Et du coup, pour vous, alors pour celles et ceux qui ont vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, en faisant un peu abstraction de qui a vu quelle version, parce que je pense qu'on va pas s'en sortir. J'ai un avis, je l'ai pas vu, mais j'ai un avis. Allez, vas-y. Allez, je commence comme ça, c'est court. Émilie, derrière elle, donc pour ceux qui écoutent que le podcast et qui sont pas sur Twitch, vous pouvez pas voir, les autres vous voyez, elle a mis en fond d'écran la photo de la chambre dans le film. Et en fait, je trouve que par rapport à moi, l'idée que je m'en faisais en lisant le bouquin, elle est beaucoup trop classe. J'imaginais un truc beaucoup plus déjà dans des tons marron et orange. Alors,
comme dans les années 70, c'était la mode maudite, là. Et plus passée, plus vieille, quoi, plus défraîchie. Ah, pourtant, il la garde en état. Ils font tout, parce que Gérard, le directeur, est quelqu'un qui se respecte et qui respecte sa profession, donc il fait en sorte que la pièce reste propre. Ouais, mais elle a pas été. Enfin, c'est pas une pièce des années 70, ça. Je sais pas. Je la trouve trop proprette et classe. Par contre, Émilie, on n'a pas entendu ce que t'as dit quand t'es revenue devant ton micro. J'ai rien dit. Ah, bon, bah très bien. Alors, c'est normal qu'on ait pas entendu. J'attends mon tour pour parler. Bon, voilà, c'était mon avis sur le film. Émeric, tu avais quelque chose à dire. Oh putain, des fois, t'as pareil en halo. Il se fait manger par la chambre. C'est ça. J'allais dire pour Pomme, je pense que dans le film, on a un clin d'œil à la description de la chambre telle qu'elle est dans le bouquin, enfin dans l'histoire, dans la nouvelle. Parce qu'en fait, au début du film, on le voit, pour mettre en situation le personnage, il va passer une nuit dans un hôtel d'une petite auberge tenue par un couple. Mmh. Et cette chambre-là correspond beaucoup plus, je trouve, à la description. Elle est orangée, c'est tout vieillot, mal éclairé. Je vais voir si je trouve. Je te montre. Ça faisait un peu piège, je trouve, du coup, quand tu regardes le film. Est-ce que tu peux faire en stream comme Julien tout à l'heure ou non. On va se faire strike. Surtout que c'est une version par un cousin qui est sur YouTube. Ah, d'accord. Très bien. Dans le chat, on a Loylon qui dit qu'elle s'attendait à un film beaucoup plus effrayant qu'il n'a pas trop aimé. Elle. LYC Podcast, lui, il a bien aimé le logiciel de discussion AOL, ça lui a rappelé des choses. J'ai une anecdote. Mais que c'était un peu trop long pour lui. Mais juste avant, j'aimerais remercier Didi Parangon qui nous suit. Merci à toi. Et merci pour le sub. Julien, alors, j'ai une anecdote. Ouais, parce que je vais pouvoir concilier deux de mes passions qui sont King et Muse. Le saviez-vous? Muse a sorti une chanson qui s'appelle Instant Messenger, ce qui est une B-side de leur premier album. Et ils se sont fait strike parce qu'ils avaient utilisé le You've Got a Mail, qui était la voix d'Awell, que quand vous receviez un mail, et il y avait cette notification. Donc, comme il y a des films qui ont des fins alternatives, il y a des musiques qui ont des intros alternatives, puisque les deux versions existent pour cette chanson de Muse. Et voilà. C'est beau. Et sinon, j'ai pas vu le film parce qu'il m'intéressait pas du tout. Vu que la nouvelle m'intéressait pas trop non plus. Donc je l'ai regardé vu qu'il y a une version sur YouTube, en faisant plus 5 secondes, plus 5 secondes, plus 5 secondes, plus 5 secondes, et ben je me suis dit que j'ai bien fait d'économiser 1h40 de ma vie. C'est pas indispensable, mais par contre, ça, j'ai trouvé que c'était resté quand même bien filmé, c'était bien, bien impressionnant. C'est pas le film de l'année, mais pour un film qui est censé faire. Te montrer quelqu'un de psychologiquement un peu instable dans une pièce comme ça, c'était intéressant. Du peu que j'ai vu, ça fait pas trop huis clos, quoi. Non, parce qu'il y a vraiment trop d'interventions qui ont l'air d'être extérieures, même si ça reste. On sent que ça reste dans la pièce et dans sa tête, c'est vraiment. Le dialogue dans le frigo, j'ai pas compris, mais qu'est de quoi vous parlez En fait, il ouvre le minibar et il parle au maître d'hôtel. Le frigo lui dit : va chercher des glaçons, connard. Et il peut y avoir des frigos effrayants. Hein. Ceux qui ont vu Requiem for a Dream le savent. Oui, c'est vrai complètement. Par contre, je suis en train de me dire, finalement, est-ce qu'il est si terrible que ça ? Enfin, est-ce qu'il fait si peur que ça, ce film ? Ou est-ce que je pourrais le voir au final ? Il fait pas peur. C'est un film assez efficace. Il fait pas peur du tout. Tu peux jump scares, mais. Parce que moi, si tu veux, en lisant la nouvelle, si le film était à la hauteur de la nouvelle, c'est le film que je veux pas voir, quoi, du coup. Alors, le film est à la hauteur de la nouvelle, mais toutes les hallucinations de Mike ont été modifiées. C'est ça qui est marrant. Le réalisateur, il a fait 4 fins, mais il en a fait aucune qui est fidèle à la nouvelle de King. Moi, il a dit que c'était parce que vu que King, il a fait une fin ouverte, bah du coup, les... ça reste ouvert, machin. Pipo. Ok. Et il a repris aucune des hallucinations de King, que King a écrites, ce qui est peut-être aussi dommage. Vu que je l'ai pas revu, je ne sais pas trop ce qui aurait le mieux marché ou pas. Moi, j'ai bien aimé le film, en vrai. Il a rien d'organique. Autant la nouvelle, elle est organique. Il parle de textures, de ça sent, c'est un peu dégueu, ouais. Alors que là, c'est totalement aseptisé, quoi. Ouais. À part les
tableaux, ils foutent un petit peu les jetons, mais je crois que c'est à peu près tout ce qui fout vraiment les jetons. Non, mais par exemple, tu vois, Shining, ça m'a pas fait peur, tu vois, au final, alors qu'on m'avait dit que c'était un film terrifiant. Ouais, c'est spécial, ouais. Je sais pas quoi. Bon, ok. Est-ce que t'as fini, Grand Poil ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Oui. Oui. C'est Eli Roth qui devait réaliser à la base, mais sa version, elle a été jugée trop gore. Mais là, je pense que la pomme, définitivement, t'aurais pas pu l'avoir. Eh ben, zut. Pour le casting, Cusack, il a déjà joué à ce moment-là dans une adaptation de King. Moi, j'aime bien relever parce que j'aime bien quand d'une adaptation à l'autre, on retrouve d'autres acteurs pour, les mêmes acteurs pour d'autres personnages. Et Cusack, il a joué dans 3 King. Il avait déjà joué dans Stand By Me. Il jouait le grand frère de Gordy Lachance. Et on retrouve le duo Cusack et Samuel L. Jackson dans un film que j'ai pas hâte du tout qu'on fasse, qui est Cellulaire, l'adaptation de Cellulaire, qui est un direct tout DVD. Vraiment, on va se régaler, on va faire comme Maximum Overdrive devant parce que ça va être une régalade. Qui est sorti en 2016, je crois, mais qui était tourné depuis 4 ans, hein, qui est resté longtemps sur les étagères des studios. Ah ouais, il était tourné depuis 4 ans, et ils ont fini par le sortir en direct ou DVD, ça sent le... Ils avaient vraiment plus rien du tout. Ouais, voilà. Il y a une raison. Sur le, parce que tu parlais de Weinstein, Grand Poil, King, en 2018, il a annoncé que parmi d'autres nouvelles ou droits d'adaptation que la Weinstein Company détenait avant le scandale qu'on connaît toutes et tous, qui a fait que la compagnie a failli, King, elle a récupéré les droits. Donc, c'est lui qui a les droits d'adaptation de 1908. Donc, a priori, ça ne sera pas réadapté. Et il y a un truc qui est étonnant, c'est que moi, j'avais lu que les critiques n'avaient pas trop aimé sans qu'il se soit fait descendre, mais ça peu importe, c'est que ce film-là, c'est la 3e adaptation, si je ne dis pas de bêtises, la plus rentable de King. Oui, je l'ai vu aussi, ouais. On l'a peut-être vu dans le même livre, et après ça, et après La Ligne Verte, il a rapporté le plus de thunes parce que il a bonne réputation. En vrai, et puis il est sorti au bon moment, hein. Il n'y avait pas trop de concurrence sur ce moment-là. Le nom de King à l'époque faisait déjà bien à vendre. Le nom de Cusack était quand même vraiment bien aussi un bon signe. Donc il a bien marché. Vu qu'il n'est pas terrifiant, tu vois, en fait, je pense, Pomme, que tu pourrais que c'est proche de ce que tu pourrais regarder. Tu vois, donc tu as un film d'horreur. Au final, est bien écrit parce qu'il est assez crédible, il est pas trop mal réalisé, plutôt bien dirigé. Et en plus, ça va pas te faire des cauchemars pendant des temps pas possibles. Donc, il est assez assez grand public. Donc, il a bien. De toute façon, il est pour les enfants d'après du coup la notation. plus 13, je pense que c'est bon. Ok, ouais. Bon, je verrai, je vous dirai. J'ai toujours pas vu Les Évadés ni Stand By Me, donc j'ai d'autres films à voir. Oh là 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 quand même. Mais écoutez, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de les lancer, alors que je sais qu'ils sont très bons. Regarde comme ils sont beaux. Je sais pas. Je préfère garder en tête. Ouais, je peux daber pour les montrer. Ce que vous en pensez. Il a dabé pour moi. Plutôt que de risquer de peut-être être déçu, je sais pas. Je préfère votre enthousiasme. Au moins, il est sûr. Je te comprends. Bon, est-ce que cette fois, t'as tout dit? Oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je te émise planning. Je fais exprès de ne pas mettre tout sur ton site quand tu sais qu'on fait un truc parce que je vais tout piquer dessus. J'ai des dossiers sur le côté. Eh bien, donc, je vous propose de passer à la partie que tout le monde attend à chaque fois, la théorie de Hurd. Cette histoire peut être le sujet de plein de théories, de plein d'expériences personnelles, de références sur Internet et je ne sais encore. Je pense à certains YouTubeurs spécialistes du domaine qui auraient sûrement plein d'avis là-dessus. Je leur adresse mon bonjour, continuez mon super taf. Voici une version parmi d'autres, celle que j'aimerais vous partager. Les superstitions, sont toutes à une table et ont une discussion animée. Plus le temps passe et de moins en moins de personnes ne croisent en elles, comme si elles étaient en voie d'extinction dans un monde qui va trop vite et qui les oublie.
Un gros pain au maïs commence en disant que presque plus personne ne sait pourquoi on ne doit pas le poser à l'envers sur une table. Si vous savez, dans le chat, vous pouvez le dire. Le parapluie s'entête à expliquer que l'ouvrir à l'intérieur attire le malheur, mais tout le monde s'en fiche. « Que devrais-je dire ?» dit l'échelle, qui se souvient que passer en dessous de moi vous promet une journée attirant le mauvais œil ?» D'autres sont un peu plus vivaces. « Ouais, mais les gars, vous êtes un peu vieux. Par exemple, beaucoup d'humains croient encore que me briser apporte 7 ans de malheur, objecte le miroir. » Le chat noir confirme, même s'il reste mignon. Après tout, c'est un chat, c'est plus facile de les aimer quand même. Le monde se divise entre les chats noirs qui restent à vie dans les refuges et les humains qui les adorent. Mais je m'en fous un peu, après tout. C'est bien le boulot d'un chat de s'en foutre. Ha ha ha, messieurs, dames, je perdure, moi. 7 ans de mauvaise baise si vous ne regardez pas votre partenaire dans les yeux ou croisez vos bras lorsque vous trinquez, intervient la chope de bière. Les trucs de cul persistent bien mieux chez les humains. S'ensuit un capharnaüm où tout le monde parle en même temps. Le 13 se lève, tout le monde se tait. J'ai une proposition à vous faire, mes amis. Chacun l'écoute. Après tout, le 13 est resté intact au point que le mot triskaïdokaphobie est devenu un signe de culture inutile mais indispensable. Puisque plus personne ne croise en vous, à chaque fois que vous ne pourrez exercer votre rôle de porte-malheur, vous me ferez un rapport. Un rapport ? J'espère que tu plaisantes, intervient le chat noir. Bon, parlez-moi, ok ? Je les prendrai tous en mon nom, jusqu'à mon maximum, et j'amènerai cette entité maléfique dans des endroits spécifiques sur la Terre pour attirer ceux qui ne croient pas et ne nous respectent pas. Je vous promets qu'ils ne l'oublieront pas de sitôt. Et ainsi, la chambre 1408, parfaite pour ce rôle avec son chiffre 13, son faux étage 13, fut parfaite pour ce rôle. Que tous ceux qui ne croient en plus rien en ressortent changés. Ils applaudissèrent. Et quelle réussite ! Enfin, presque. Pour un premier essai, c'était un peu fort. Le but n'était pas de faire autant de dégâts. Le 13 s'en excusa. Oups, trop tard. C'est ainsi que la quantité d'accidents arriva, mais parfois furent évités, par ceux qui croient encore ou ceux qui ont encore d'autres superstitions. La dame de ménage française, qui connaissait bien ses superstitions mal connues aux États-Unis, par exemple. Quant à Mike, il s'en sortit de justesse, utilisant son magnétophone comme un gris-gris rappelant la patte de lapin et la cigarette de son frère comme une déviation. Il y crut. Et vous, avez-vous encore des superstitions ? On sait qu'elles sont souvent ridicules et plus d'actualité, mais ont façonné nos esprits. Quelle est votre préférée ? Celle dont vous ne démordez pas ? Et là aussi, je vous invite dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous n'en avez pas, faites bien attention à vos voyages. Les endroits hantés sont encore bien secrets et bien gardés. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Urde. C'est excellent, Urde, encore. Ouais. Tu veux vraiment une réponse à ta question ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, j'en ai plusieurs que je ne me rends même pas compte. Vas-y, dis-nous. Une toute simple, je l'ai mis exprès. Vous voyez ce petit collier que j'ai ici ? C'est une petite fée. Et je vous jure, quand je le mets, il m'arrive jamais rien de mal. Voilà. La preuve, tu passes une excellente soirée. C'est ça. Et le parapluie à l'intérieur aussi, c'est complètement idiot, mais ça m'est toujours resté. Ok. Les autres, vous avez une superstition qui vous tient à partager ou... Non, je crois pas, moi, de mon côté. À remettre droit les étiquettes des pulls. C'est pas une superstition, c'est un toc. Non, oui. Clairement. Hein. Il lui remet pas 4 fois l'étiquette de la personne devant moi dans le concert. J'ai des vrais tocs comme ça, des trucs où j'ai un truc avec les nombres pairs, tu vois, où je vais compter les marches. Et à une époque, si je me contrôlais pas, si c'était des marches impaires, j'allais essayer de faire un nombre pair, tu vois, vraiment des trucs, les superstitions, j'ai pas trop les trucs qui portent malheur. Je vais plutôt avoir tendance, quand j'ai emménagé dans mon appart, j'ai fait brûler de la sauge.
tu vois. Je suis plutôt sur ce genre mm-hmm. de... Pas trop, bah, le principe est... Le principe similaire est... quand même. Mmh. Voilà, ouais, tout à fait. Mmh. Et il y a aussi des trucs qui portent bonheur. Par exemple, j'ai parlé du chat noir. Dans certains pays, ça porte bonheur. Le 13, quand tu joues au loto, ça porte bonheur. Enfin, voilà, c'est quand même tout un truc qui est impossible à étudier parce que d'un pays à l'autre, ça change complètement. Mmh. Même d'une région à l'autre, enfin, c'est... Il y a des trucs et d'un temps à l'autre. Reste, alors que c'est encore moins rationnel. Genre le... Là, en plus, il est 22h23, donc j'y pense. Mais le 22h22, on pense à moi, tu vois, les trucs comme les horaires miroirs. J'ai entendu ça tout à l'heure. Attends, alors, LYC, le pain à l'envers, l'explication qu'on m'avait donnée, c'est que c'est parce que c'était le pain des bourreaux. C'est ce que disait Ragonin dans le chat. C'est le pain qui était réservé chez le boulanger pour le bureau, ou le bourreau pour la fin de la journée, en fait. Ouais. C'est ça. Et moi aussi, ça ne se fait pas à la maison si je fais ça. Ah, oui. Tout de suite, on dit non et on le retourne. Ouais. Oui. Moi, je ne crois pas avoir de superstition réelle. Des habitudes, peut-être. Non, je sais que mes tantes cassaient les bonbons si on était 13 à table. Alors, oui, ben, ah, oui, ma mère est comme ça aussi. Ah, ouais. Casser les bonbons, je ne savais pas, tu vois. Non. Elle cassait les couilles. Non, c'est pas, elle cassait pas des vrais bonbons en deux. Il y a degré, hein. Comme le sort, elle cassait des bonbons. Et après, elle jetait par dessus son épaule. Elle avait son petit paquet de régalas. Je suis en train de me dire, attends, c'est mal parce que du coup, ça se casse pas. Non, mais tu vois, par exemple, ce truc de trinquer en se regardant dans les yeux, c'est devenu une habitude. Un peu comme une politesse, en fait, du coup. Oui, mais j'ai pas l'impression qu'il va m'arriver un malheur si je fais pas ça. J'ai plus l'impression d'avoir été mal poli, tu vois. C'est un rituel, on va dire. Mais j'aime bien le dire, en fait. Parce que voilà, c'est drôle. Dans les yeux. Ouais, dans les yeux, faut pas croiser. Sinon, 7 ans de mal baise. Donc, c'est toujours drôle. Je pense que les miroirs, si je casse un miroir, je vais pas pouvoir m'empêcher le premier mois de me dire, ah putain, ça y est, 7 ans. Et puis tu m'oublies. Moi, non, voilà. Non, j'ai pas. Non, mais on s'en rend pas forcément compte. Hein. Vraiment, moi, c'est en écrivant la rubrique, en prenant 2-3 refs, que je me suis dit, mais en fait, j'en ai pas mal, quoi. Ouais. Ma mère mange des lentilles le premier du mois aussi. Vous avez pas votre petit pochon de sel pour pouvoir jeter du sel par-dessus votre épaule à tout instant. Ah oui, ou dans les quatre coins des pièces. C'est aussi un classique. Et dans certaines religions, il faut pas se passer le sel de main à la main. Tu te demandes le sel, tu le poses. Ouais, faut le poser sur la table, ouais. Ouais. Ouais, mais ça, après, il y a des trucs de, on va dire, politesse, etc., qui rentrent dans des trucs. Il y a des moments, ça se croise et on sait plus trop pourquoi on le fait en réalité. Sachez que si vous venez chez moi, faut poser un lingot d'or sur la table, sinon c'est très mal poli. Franchement, moi, il faut le laisser avant de prendre. Sinon, c'est 7 ans de mal baise. Tu vois, j'imagine assez bien de ne pas se donner le sel directement, que peut-être à l'origine, il y a une question d'hygiène, de pas se toucher les mains ou un truc comme ça, tu vois. Au Moyen-Âge, avant le Covid, c'était comme ça, ouais. Non, mais j'en sais rien, mais bon. Je fais très attention. Et du coup, dans le chat, il y a des gens qui ont des trucs comme ça qui leur tiennent à cœur, malgré eux. Là, je vais citer LYC que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais la version qu'on connaît tous. Le diamant pour la bague de fiançailles et mariage est une superstition. Le diamant était censé protéger de la peste. Ah ouais? Ça, je connaissais pas. Moi, je connaissais le fameux faut pas voir la mariée. Je crois qu'aux États-Unis, ils ont pas un trip avec un truc bleu, un truc emprunté, voilà, que je sais pas d'où ça vient. Mais là, du coup, le diamant, je connaissais pas. Merci à toi. Je sais d'où vient le parapluie en intérieur, si vous voulez. Ah oui, parce que je sais pas. C'est l'industrie, n'est-ce pas? Parce que, en fait, l'idée, c'était de se dire, si on les laisse ouvrir leur parapluie à l'intérieur et qu'on les laisse sécher, les parapluies vont durer beaucoup plus longtemps. Donc, c'est de l'obsolescence. Ça, ton parapluie, il pourrit, il rouille. Et... Ah, les salauds. Je rentre avec un parapluie mouillé, je l'ouvre dans l'entrée pour qu'il sèche dans l'entrée. Ah oui, moi aussi. Ou dans la salle de bain, si vraiment il est trop mouillé. Et je m'étais engueulée avec un pote, on s'était pris le bec. Parce que justement, moi, je disais, mais j'ai pas envie que mon parapluie il pourrisse parce que t'as une croyance, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Et lui, il était vraiment mal d'avoir ce pas. C'était chez moi, donc il l'a pas fermé à ma place. Chez lui, je pense qu'il l'aurait fait, mais ça se sentait qu'il était pas bien d'avoir ce parapluie ouvert dans l'entrée. Ouais. Ouais. Alors, mais effectivement, dans l'entrée ou à l'extérieur, tu vois, mais pas dans ma pièce, quoi. Ah, donc
Je vous disais, ma mère mange des lentilles le premier du mois parce que ça porte bonheur. J'en avais déjà entendu parler. Ouais. Et à ce qui paraît, ça remonte aux Romains qui offraient des lentilles le jour de l'an comme signe de porte-bonheur. Voilà. Okay. Trop cool. Ah, moi, je connaissais les lentilles le premier de l'an. Ouais. De manger des lentilles le premier de l'an pour avoir, je sais pas quoi, la fortune, le bonheur, la santé, que sais-je. Tout au long de l'année, il y a le fait d'avoir une pièce dans la poche au moment où on entend le premier coucou de l'année qui apporte bonheur, non, qui apporte richesse sur l'année. Alors, tu vois, quand tu es en centre-ville, le premier... Ça marche avec les bitcoins. Avec ta carte de crédit, genre. Quand tu payes pas le... Bon. On a fait eh bien, ouais. Oui, merci pour vos anecdotes, c'est très On marrant. Va passer aux questions, et comme on n'en a pas beaucoup... Je crois qu'on a 3, 4. Moi, ça met du temps à s'afficher. Alors, on en a 3, je crois. Si dans le chat, vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. On va commencer à lire celles qu'on a déjà récupérées sur les réseaux sociaux. Yes. Allez, et déjà, ça, générique. On verra après. Sur Twitter, DJ Parangon, qui est dans le chat actuellement, j'ai une question random. Qui d'entre vous a déjà nommé un de ses animaux de compagnie par un nom de personnage ou animal, Cujo par exemple, tiré de l'univers du roi? Longue vie au roi Stephen. C'est pas un vrai auditeur, on en a déjà parlé. Oh là là. Il y a Julien qui a levé la main. Oui, moi j'ai mon chat, un de mes chats qui s'appelle Larry. Ah oui. Pour Larry Underwood. C'est aussi beau gosse que lui. Ouais. Le peuple réclame une preuve photo sur les réseaux sociaux du roi, n'est-ce pas? Moi j'avais un poisson et qui s'appelait Roland parce que c'était un combattant, donc c'était un machin. Alors je vais spoiler, c'est terrible du coup de me dire que je spoil la personne qui en plus tourne en boucle dans son putain de bocal. Voilà. Tu sauras que tu ne feras plus jamais ça, sinon je viens te casser la figure. Ah oui, non, mais c'était il y a 15 ans quand j'avais encore une tortue aussi, tu vois. Depuis. Oui, oui. Sachez tous que c'est pas bien, voilà. Non, non, ouais. Mais tu vois, il y a 15 ans, moi, ce qu'on me disait, c'est que les poissons rouges, ça leur fait rien d'être dans un bocal parce qu'ils ont pas de mémoire, machin, tout ça. C'est assez récent qu'il y ait des vraies infos sur le sujet, je trouve. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Tous les combattants, les laisser tout seuls et tout. Alors ça, oui, hein, parce que deux mâles, ils s'entretuent. Ça, ouais, mais du coup, ils aimaient bien te les vendre dans un bocal qui était carré, un peu de design, avec un saut en bois. Oui. Ouais, mais comme une déco, comme un objet de déco. Ouais, d'ouf. Oui. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce qu'en tant qu'aquariophile, voilà, mais... Oh, il est trop pipou. Il est beau, ton chat. Voilà. Mais juste, ne le faites pas. Et sur les réseaux sociaux, genre TikTok, c'est une catastrophe, quoi. Ça remet tout en cause le truc. Donc voilà. Donc pas de bocal. Si vous avez un bocal, vous mettez des plantes, vous mettez des petits escargots et c'est tout. Merci. Et de la place. Question suivante. Parce que moi j'ai pas d'animaux du coup qui s'appellent. Moi non plus. Moi j'ai un animal depuis avant que je découvre vraiment King, donc j'ai pas changé son nom. C'est ça. C'est pas d'après un personnage de fiction. Akira, oui. Par contre, c'était pas spécialement volontaire parce que, en fait, moi, mes animaux, je leur donne un nom que quand je les rencontre. C'est-à-dire, je les regarde plusieurs jours et tout, et ça vient tout seul, en fait. Donc voilà, c'était pas volontaire. Donc, Akira, le manga, j'aime pas plus que ça. Donc voilà. C'est vrai que la question, c'était. Et Nala, c'était son nom avant que je l'adopte et je n'ai pas voulu le changer parce que, voilà. Bon, quand un animal a déjà été nommé, il est habitué à être appelé d'une façon, ça va quoi. Ouais, puis c'était pas logique, enfin voilà. Ça t'allait bien. C'est ma logique à moi, oui. J'aurais trouvé ça bizarre. Je dis ça et en même temps, j'ai changé le nom de Muska quand je l'ai adopté. Mais je savais pas que c'était vraiment important le nom de l'animal passé un certain âge. Bon, il avait 9 mois. Et surtout quand je l'ai adopté. Je l'ai adopté parce qu'il avait été abandonné par la famille précédente chez qui il était et il y avait des soupçons de maltraitance et du coup j'avais pas envie de garder le nom qu'il lui avait donné. Mm-hmm. Après si tu prends un SPA dans tous les cas il change le nom. Donc non là alors c'était via une asso mais c'était bon c'était pas la Ah mais c'est pareil. Le même ils avaient gardé le nom. Ah OK parce qu'en SPA ils changent systématiquement le nom voilà. Non là il laissait faire à la personne qui adopte. D'accord.
Voilà. Dans le chat, DJ Paragon nous dit merci, qui nous posera la même question au prochain enregistrement. D'ici le prodigieux à moi, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Tout peut arriver, on peut adopter un deuxième chat. Bah écoute, si tu veux, je vais donner des noms à mes isopodes, donc mes cloportes, et sachant que je dois en totaliser 2000, bah, on peut s'amuser longtemps. Bah non, parce qu'il n'y a que 10 prénoms dans les... C'est ça. Envie de tourner en rond. Hein. Alors, question suivante de Kerr Duffy. Pas trop déçu que 1 plus 4 plus 0 plus 8, ça fasse pas 19. Ouais. Bah ça fait 13, du coup... Non, ça matche bien avec la nouvelle. Par contre, ça reste un chiffre qui a une signification, quoi. C'est pas au hasard. Ah bah, Parce que au début, je me suis dit, bon, 14 pour 13, enfin, étage numéro 14, ok, mais pourquoi 0,8 ? Enfin, est-ce qu'il y a... Bon, ça faisait random, quoi. Et pourquoi pas, hein, mais non, c'est pas random. Mais comme on a dit, on y a tous pensé, quand même. Enfin, quasi tous. Question suivante sur Instagram de Kay Morrigan. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous ? On va bien. Je crois. Pas mal. Bien. Ma vraie question est, à choisir, vous dormiriez à l'hôtel Dolphin ou à l'hôtel Overlook ? Hôtel Dolphin, sans aucune hésitation. Alors, je finis son petit texte. L'hôtel Dolphin ? D'ailleurs, ça me rappelle le jeu Silent Hill 4, The Room, qui commence avec notre personnage qui a emménagé depuis peu dans un appartement au passé sinistre. Tout se passe bien, jusqu'au jour où il se retrouve enfermé dans l'appartement, personne ne l'entend appeler depuis l'extérieur et le téléphone ne fonctionne plus. La seule issue est un grand trou dans la salle de bain qui l'amène dans une dimension cauchemardesque. Encore une fois, bonne continuation. Contente de vous suivre depuis plus de 2 ans maintenant. Ah mais qui c'est la... Oui. Vas-y, vas-y. L'hôtel Dolphin, je veux bien, si c'est pas la chambre 1408. Oui, c'est pour ça. T'as une chance, ouais, à l'hôtel Dolphin, t'as une chance de ne pas tomber sur la mauvaise. Il n'est pas précisé dans la chambre 1408 de l'hôtel Dolphin. Je préfère l'hôtel Dolphin que l'Overlook, c'est... Tout l'hôtel qui fout le camp. Ouais, t'es dans la merde où tu veux. Ouais, mais attends, c'est sous-entendu, là. Non, je suis déjà entendu qui compte. Un choix de vie très important. Il faut que tout soit écrit. Tout... Voilà. Non, alors moi, je prendrais quand même... Alors, bon, moi, je pars du principe que tu parles de la chambre. Je prendrais évidemment l'Overlook parce que le Dolphin, ça fait vraiment trip, bad trip sous LSD. Donc, je crois que j'aurais très, 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 très peur. A priori, le Dolphin, t'as vraiment aucune chance d'en sortir si tu vas dans la chambre 1408. Non, ouais, ça. Ou alors, je sais pas, tu te fous le feu, tu te pinces très fort ou tu te coupes un bras, tu vois, enfin, quelque chose du style, tu vois. Et juste petit aparté sur la référence que tu nous donnes, je conseille pour les fans de films d'horreur, qui n'est pas si horreur que ça, le film Black Phone, qui est vraiment très très bien. Il vient de sortir celui-là. Oh, il est sorti il y a 3-4 bonnes semaines. Donc, si vous allez au cinéma, je vous conseille. Qui est le fils de King. Eh ben, je ne savais pas. Merci. En tout cas, le film est vraiment. Moi, j'ai adoré. C'est mon top 5 films d'horreur. Voilà. Est-ce que tu peux redire ce que tu as dit? Parce que si. T'es un peu bas. Ils ont entendu comme moi, je l'ai entendu, bah, ils n'ont rien entendu. Ah, pardon. Là, vous m'entendez mieux? Ouais. Ouais. Oui. Je parlais pas en face de mon micro. Je disais que Black Phone est l'adaptation d'une nouvelle de Joel, qui est un des fils de King. Bah, il faudrait que je la lise du coup pour comparer, parce que le film est vraiment fantastique, j'ai trouvé. Voilà. Cool. C'est vrai qu'il a eu bonne presse. Ouais. Et pas trop gore, donc c'est quand même accessible. C'est dans ma liste. Les enfants d'un poil. Comme Michael 108. On remarque qu'ils me foutront peut-être la paix après. Dernière question qu'on a relevée de Antoine Abbaye. Alors là, ça n'a rien à voir avec la chambre 1408. Dans l'œuvre de Steve Wu, la place des femmes a-t-elle évolué dans un sens qui vous plaît ? Bah oui. En même temps, c'était pas très dur. Enfin, si ça avait évolué dans l'autre sens, ça aurait été vraiment crade, quoi. Il a évolué avec son temps. Il est né à une certaine époque, mais il a su évoluer avec le temps qui passe. Et sachant que vous dites ça sans avoir lu la trilogie Mister Mercedes et les 5 histoires qu'on a avec Holly Gibney et les 3 histoires qu'on a avec Gwendy Peterson, qui sont les 2 femmes fortes de King ces 5-10 dernières années. On a lu la seule trilogie qui vaille. La trilogie féministe. avec non, mais... Mais malgré tout, même sans avoir lu cela, il y a qu'à voir Sleeping Beauties par rapport
Après, d'autres trucs qu'on a pu faire avant, quoi. Moi, je te rejoins qu'il s'adapte et que, ouais, c'est... Enfin, en tout cas, il n'est pas dans le pire, quoi. Non, ouais. Je pense pas que ce soit de l'adaptation, enfin, dans le sens où je pense pas qu'il fasse ça par bien-pensance, c'est-à-dire, genre, c'est comme ça qu'il faut penser maintenant. Je pense qu'il évolue, lui, dans sa façon oui, de penser. Oui, c'est ça. Ça se voit dans ses... Oui. Non, puis souvent, ces personnages, même surtout féminins, sont aussi un reflet de l'époque à laquelle il a écrit ou de l'époque à laquelle se déroule le livre. Donc, ça c'est totalement ancré dans ce qu'il connaît à un instant T. C'est tellement un reflet de l'époque que je viens de commencer le troisième tome de Gwendy qu'il a écrit avec Richard Kismar, qui pour l'instant est que en anglais. Je spoil rien, c'est la première ligne. Hein. On est en 2026, il y a encore le coronavirus. Wow. Super, merci King. De toute façon, ça a été annoncé hein, qu'il fallait apprendre à vivre avec et qu'il fallait pas. Oui. C'est ce que j'allais dire, ouais. D'ailleurs, il l'intègre. Il fait pas comme si ça n'avait pas existé, il l'a intégré, quoi. Ouais. Mais ouais. Non, mais en fait, même quand on y pense, même dans Jessie, la manière dont elle repense à sa jeunesse, à comment elle a épousé ce gars-là, pourquoi, ce qu'est devenu sa vie et tout, il y a une réflexion sur quelle était la place attendue des femmes et ce qu'elle aurait pu être et ce qu'elle est maintenant. Donc ça fait un moment quand même qu'il... Ouais, moi je trouve aussi. On a et fini les questions qu'on nous avait posées à l'avance et on n'a pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si on va se flexer ou pas. Est-ce que vous-même, vous avez des questions, les copains? Non, bah non, c'est bien. Non. Bon, eh ben écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là, du coup. On a quand même fait une heure... Une heure et demie, là. Ouais, une heure et demie. On avait dit... Moi, je pensais pas qu'on passerait l'heure. Bon, c'est pas mal. On est bien. Une heure et demie, c'est bien. Donc, on se laisse là. Prochain enregistrement, ça sera Poste de nuit. Donc, il sortira mi-septembre. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on enregistre. A priori, on réenregistrera sur Twitch, mais ce n'est pas encore acté à 100%. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations. Pour rappel, on vous fera gagner un bouquin donc de Tout est fatal, un sur Instagram, un sur Facebook, un sur Twitter et un sur le Patreon de Podcut. Voilà, donc ça fait 4 possibilités de gagner. Et puis félicitations à LYC d'avoir gagné le livre pendant cet enregistrement. Et bravo. Bravo à toi. Qu'est-ce qu'on peut dire, le podcast Le Roi Steven est un podcast du label Podcut. Le label comprend plein d'autres podcasts qu'il faut absolument aller découvrir. En vrai, il y en a des vraiment bien. En vrai, ou quasiment. Enfin, j'en vois pas des pas bien, en fait. Donc, allez tous les découvrir. Allez, Ram. Rattrape-toi. Non, allez sur podcut.studio. Bah voilà, sur podcut. Pour les découvrir. Si vous voulez nous filer un petit coup de main financier sur le... Pardon, je viens de péter la... Finis ta phrase. Si vous voulez donner un coup de pouce financier, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/podcut et vous recevrez des goodies et une newsletter. Et moi, j'aimerais savoir ce qu'elle a pété, Pomme. J'ai pété la pince à linge, non? Exactement, la pince à linge avec laquelle j'étais en train de jouer. On va entendre sur ta piste, du coup. Oui, absolument. Heureusement qu'on est en direct. Et voilà. Ah oui, alors LYC nous dit qu'il y a même des fictions chez Podcut, ce qui est vrai. D'ailleurs, il y en a une que c'est lui qui l'a écrite, qui s'appelle Quelque chose. Et il y a 4 épisodes et les 4 épisodes commencent par moi. C'est pas moi qui fais tout l'épisode, mais les 4 épisodes commencent par ma voix. Donc surtout, n'hésitez pas à aller écouter cette fiction. Waouh. Au moins le début. Au moins bon, les épisodes, quoi. Cet épisode sort mi-août, donc bon ben voilà, c'est les vacances pour tout le monde et puis on est bien. Bon, on se quitte, on se fait des bisous. Oui, on a bien à merci à tous. Allez, au revoir. Ciao. Bye bye. Des bisous. Toujours en live ou pas? Non, j'ai coupé. Je suis désolée, Amérique, je savais pas que t'allais chanter. Non, mais c'est pas grave, comme ça, c'est enregistré. Ça
Salut, c'est Émilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qu'il concerne deux fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Bonjour à vous qui nous écoutez. Vous avez des choses à dire ? N'ayez pas peur et prenez le micro. Que vous aimiez discuter avec des amis ou que vous ayez une envie débordante de partager votre passion ou de développer votre business, faites-vous entendre. Avec Acast, rien n'est plus facile que de lancer son propre podcast. Lancez-le, développez-le et générez des revenus en rendant votre podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous sur acast.com pour vous lancer. Et c'est gratuit.